Salut à tous, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur Pouch Live, l'émission produite par Pouch Media. Nous sommes le mercredi 22 février et ça fait 6 ans qu'on mange du Macron. En tout cas, nous sommes là ce soir et ce soir, je suis très content de recevoir Rémi. Rémi, comment tu vas? Très très bien, très très bien, en pleine forme, et puis voilà, heureux d'être chez toi, cher Nicolas. Voilà, un immense merci avant de commencer. Ah ben c'est normal, on aime bien, je te le disais, on s'en parlait tout à l'heure en antenne, on va rien dévoiler, mais on aime bien les têtes qui dépassent, et tu fais partie de ces têtes qui dépassent, surtout on te voit en permanence, quoi. Moi j'ai parfois l'impression, quand tu es dans mon frigo, parfois je regarde Netflix, il y a ta tête qui apparaît, parfois tu es sur mon canapé, c'est génial parce que tu es partout. En tout cas, merci beaucoup Rémi d'avoir accepté mon invitation, tu es le fondateur de Juste Milieu, mais tu n'es pas que Juste Milieu en fait, parce qu'il y a plein de choses qui se font chez toi, c'est absolument dingue. Je pensais être un forcené de l'île de Sakhaline, de la presse discordante, mais toi, tu envoies du lourd quand même, pour parler très trivialement. Tu as plein de Ah choses. bah. Tu nous présentes un peu ce que tu fais, tout ce que tu fais concrètement un peu. Alors, on bricole pas mal, c'est vrai. Donc, Juste Milieu qui est né en décembre 2020 maintenant. Donc, on a fêté voilà, 2 ans et demi. Enfin, on arrive sur les 2 ans et demi d'existence qui faisait suite à Let It Be, qui était une première chaîne plutôt d'actu littéraire, voilà, qui était mon projet un peu sur mon temps libre. Les choses sont devenues sérieuses avec Juste Milieu. Et c'est vrai que voilà, très vite, on a trouvé une audience voilà, assez rapidement. C'était chouette. La chaîne s'est vite développée. On a pu compter sur le soutien de nombreux spectateurs et ça donne une énergie folle pour essayer de continuer à creuser. C'est aussi avec toujours en tête hein, le qui veut la paix prépare la guerre. On va longuement en parler, c'est le Oui, on sujet va en parler, on va en parler, ouais. de se dire voilà, tôt ou tard, si YouTube se fait censurer, comment on peut rebondir? D'où l'idée de cette revue, à la fois sur ça et à la fois sur voilà, comment continuer les réflexions, les débats, les rigolades sur un autre format. Et pour nous pousser aussi, à la fois, voilà, moi en tant que créateur, mais pousser aussi les spectateurs à être exigeants sur un autre format. C'est sûr que YouTube se consomme super bien, et même nous, à faire les vidéos, bah, aujourd'hui, le matériel technique permet ça de manière assez facile. Mais voilà, j'aimais bien l'idée revue parce qu'on a un engagement, à la fois dans la création que dans le rapport de lecture, on a un engagement différent. Donc on essaie voilà, de bricoler là-dessus, sur la revue. On est super content, on a vraiment, voilà, on a dépassé les 6 000 abonnés, donc c'est super. Puis voilà, après tous les petits réseaux sociaux qui gravitent autour, on propose des petites blagues, quoi. Non, mais c'est bien, on va en parler, on va rentrer dans le fond, on va parler de censure, les amis, merci beaucoup, vous êtes déjà très nombreux sur le live, hein. Très très nombreux, beaucoup de commentaires déjà qui arrivent sur le live, merci beaucoup, on est sur tous les réseaux, vous le savez, Twitch, LinkedIn, sur Facebook, Twitter, YouTube, bien entendu, vous le savez, si vous êtes sur ces réseaux, mettez des pouces, commentez, vous le savez, Rémi, c'est mieux que moi, vraiment, ça nous permet de faire du référencement parce que YouTube est impitoyable. D'ailleurs, Rémi, je vois que tu as le petit derrière toi, je vois que tu as le petit truc YouTube des 100 000, moi je Ouais. l'attends toujours, hein. Moi je l'attends toujours. Je l'attends toujours. Voilà. Je crois qu'il n'arrivera jamais, en fait. Tu l'as commandé ou pas? Parce que c'était une galère. Hein. Ouais, alors, mais là, on ne peut plus commander. Il le donne à la discrétion de la direction de YouTube. Voilà. Oula. Alors, cher Nicolas, je suis désolé, t'es pas prêt de le voir. Je sais bien. Alors, Greg Tabibian, notre ami en commun, Greg, qu'on salue d'ailleurs, qui a des problèmes en ce moment, hein, pour mettre des vidéos en ligne, notamment l'interview de Frédéric Tallier, qui a des problèmes, il l'a dit sur Twitter. Donc, soutien à toi, Greg. Bien Je te sûr. remercie voilà, ton engagement. On a fait une grande interview chez lui récemment. Et Greg a des problèmes aussi pour mettre des vidéos. Donc, on va en parler de cette censure. Effectivement, on va parler de savoir si tu as plus YouTube, Rémi, comment ça va se passer, même pour nous. Ça, c'est super important. On va parler de ta revue, bien entendu. Moi, j'ai une question toute bête, mais moi, mes téléspectateurs savent, mes abonnés savent, mais toi, comment tu es arrivé sur YouTube, en fait? Comment tu as commencé comme ça? Parce que tu as une chaîne à plus de 300 000 abonnés, c'est quand même colossal. Comment tu t'es dit, tiens, je vais balancer de la vidéo sur YouTube? Au tout départ, c'était donc ça vient d'un projet, comme je le disais, donc ça s'appelle Let It Be, que j'avais fait sur mon temps libre en dernière année d'école de commerce, donc en 2015, et j'avais fait un petit blog de chronique de bouquins. Je suis un passionné de bouquins au départ, et le blog a dû exister pendant un an, quelque chose comme ça. Puis petit à petit, je me suis dit, tiens, c'est dans l'air du temps, pourquoi pas aller faire des vidéos YouTube, toujours dans la même idée, donc chronique de bouquins. Et au départ, bon, c'était une tannée, parce que c'est vrai que j'essayais de prendre un ton chronique littéraire, donc il faut un ton chiant, quoi. Sauf qu'en fait, non, si personne regarde la Grande Librairie, c'est pas parce que c'est la Grande Librairie, c'est parce que c'est chiant. Et on peut parler de bouquins en essayant de se marrer, et j'avais essayé, voilà, petit à petit, d'adopter un ton peut-être un petit peu plus sympa. Et au fur et à mesure, je suis allé vers des sujets d'actu, clairement par opportunisme, hein, parce que ça faisait plus de vues. Et puis voyant la chaîne grandissant, c'est tout ça. Et voilà, après, au bout de quasiment 5 ans de la tribu, je me suis dit, bon, bah, faut assumer le virage jusqu'au bout. Et Juste Milieu est né comme ça. Donc, ça m'avait permis de m'aguerrir un petit peu
grâce à Let It Be sur YouTube, qui était vraiment mon passe-temps. Et puis avec Juste Milieu, on est passé à une autre vitesse. Et ce qui était chouette, c'est que la communauté Let It Be m'a vraiment suivi, a été super fidèle. Et ça, c'était une grande joie. C'est que très vite, Juste Milieu avait 15 ou 20 000 abonnés en moins d'un mois. Donc ça a permis d'accélérer le lancement. Et aujourd'hui, de fil en aiguille, la famille grandit. Bon, mais tant mieux. Ouais, de toute façon, félicitations à toi pour cette belle communauté. Enfin, c'est parce qu'une communauté, c'est surtout un contenu qui est important, parce que t'as pas de communauté si t'as pas un contenu que tu peux mettre en face. Et concrètement, effectivement, on regarde toujours les vidéos de Rémi avec beaucoup de plaisir et c'est toujours intéressant. Et d'ailleurs, on va y venir. Pourquoi t'as choisi, toi, l'humour et la politique? Greg fait ça, mais autrement. Mais toi, t'es vraiment dans ces petites pastilles pour beaucoup. Où tu choisis le ton de la dérision, l'humour, très sincèrement, pourquoi ce choix et comment tu les bosses? Moi, ce qui m'intéresse toujours en tant que créateur comme toi, youtubeur, c'est comment tu choisis tes sujets, c'est la revue de presse, c'est des trucs, bon, aujourd'hui, il y en a tout le temps, tu pourrais ne pas dormir aujourd'hui avec la Macronie. Hein, comment tu choisis, grosso modo? C'est sûr que le choix s'est un peu imposé à moi au départ parce que j'étais quand même plus voué à faire des blagues que du mannequinat. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, foutu pour foutu, on va aller sur la blague. Non, et plus sérieusement, j'aime bien l'idée de traiter l'actualité avec la dérision, avec la blague, parce que je pars du principe que l'humour, c'est peut-être le seul trait d'union qu'il peut y avoir entre les gens quand on parle de sujets aussi rudes et aussi hystérisants que la politique ou le Covid ou la guerre en Ukraine maintenant. C'est-à-dire que j'essaie de me dire si les gens arrivent à se marrer d'eux-mêmes et des gens en face, donc c'est-à-dire sur la politique, si l'électeur Marine Le Pen ou l'électeur Mélenchon ou l'électeur Macron arrive à se marrer de lui-même pour se marrer des autres partis, c'est plutôt gagné. Ça me semble, la partie me semble plutôt bien engagée, on va dire. Et voilà, c'est vraiment le but du jeu. Et aussi, soyons clairs, c'est aussi le pas de côté pour tenter de camoufler les sujets. Là récemment, j'ai fait une vidéo sur la technologie ARP, sujet explosif parmi les sujets explosifs. J'ai été vraiment méticuleux sur le choix des sources et aussi de présenter ça comme une farce en fait. La farce tranquille ne vient pas de nulle part. Que je pense franchement que, à l'image d'un La Fontaine, alors attention, j'ai pas pris le boulard, je suis pas encore Gérald Darmanin, mais le grand maître qui était La Fontaine ou Molière, c'est que la farce est comme l'était le Bouffon du roi. C'est peut-être l'un des seuls moyens de pouvoir se moquer du roi sans prendre sans se faire empaler ou autre réjouissance. Ouais, tu penses, c'est intéressant ce que tu dis. Finalement, tu penses que c'est un angle qui peut encore perdurer plutôt que d'aller sur l'analyse politique. C'est vraiment encore cet angle-là qui te permet. Bon, alors je vais pas te dire le contraire parce que moi, dans mes éditos sur ligne droite, notamment, j'utilise ce ton-là. J'utilise vraiment l'impertinence concrètement. Mais toi, tu penses, comme moi de fait aussi, que c'est encore un biais qui nous permet de pouvoir continuer à émettre et à parler, et on va en parler de la censure après. Tu penses que c'est ce biais-là, c'est le bon pour l'instant? Oui, alors oui, mais j'ai changé de justification il y a peu de temps. C'est-à-dire qu'au départ, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que le rire permet de faire ce pas de côté qui offre un trait d'union entre les gens, quels que soient les sujets, aussi complexes soient-ils, dans une bonne temporalité. C'est sûr que faire des vannes sur un attentat, je t'avoue que je ne le fais pas une heure après. Il y a aussi une temporalité par rapport au sujet. Mais récemment, j'ai changé d'avis. J'ai pas changé d'avis, mais j'ai changé de justification. C'est que je pense que le rire est le seul moyen d'être au niveau de l'actualité. Si on regarde la vie politique française, quand on a des députés bourrés, ce que disait le Parisien le 20 février, quand on a des députés bourrés à la buvette de l'Assemblée, un député qui vomit devant des huissiers, quand on en a un qui fait des mots croisés, quand on a un qui pose avec le pied sur une tête à l'effigie d'un ministre, il ne reste que l'humour pour être à niveau, parce qu'on ne peut pas traiter sérieusement de ce genre de choses. C'est pas possible, sinon on devient fou. On devient complètement fou à traiter sérieusement des bouffons qui se prennent pour des rois. Et donc, c'est la bonne vieille phrase, dépêchons-nous d'en rire avant de devoir en pleurer. Je pense que ça n'a jamais été aussi vrai. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Effectivement, là, on arrive à des niveaux de cirque, de débilité qui sont effrayants. Effrayant. Alors, c'est vrai que moi, je suis sur des réflexions, et c'est intéressant que l'humour, tu l'utilises aussi, je l'utilise aussi, mais c'est vrai que ça dénote aussi de choses qui sont effrayantes. C'est un effondrement absolu, et je voudrais qu'on en parle en dernière partie d'émission, en rentrant dans la situation politique, et finalement, qu'est-ce que ces députés bourrés, qu'est-ce qu'un ministre sous le coup comme Olivier Dussopt, finalement, qui a oublié de fermer la grille. Il dit ça chez Apolline de Malherbe, il te dit « excusez-moi, j'ai oublié de fermer la grille ». Quand tu en arrives là, je pense qu'après, il n'y a plus rien.
c'est le néant et le néant social et le néant politique. Mais on va en parler après là-dessus. Je voulais rapidement qu'on finisse par la revue parce que c'est un sacré pari, hein, la revue papier, concrètement. Hein. C'est un sacré pari. Parce que tu dis que tu as 6000 abonnés, c'est colossal. Hein. Parce qu'avec les moyens qui sont les tiens, tu enterres Libération et tu les enterres tous avec 6000 abonnés. C'est colossal, 6000 abonnés. Hein. Écoute, c'est une aventure un peu dingue. C'est une aventure un peu dingue parce que c'est vrai que j'avais à cœur de faire ça. Ben voilà, l'attachement que j'ai au bouquin, même à la presse, en fait, parce que ce qui est devenu la presse ne doit pas condamner ce qu'est la presse de manière générale, oui, dans l'idée. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, des pantins s'en servent que la presse est mauvaise en soi. Et donc, je me suis dit, voilà, il faut essayer, il faut aller plus loin. On y était allé à pas feutrer, hein, au lancement de Juste Mensuel. Ouais. Au départ, on avait fait 3 mois en version numérique à 10 euros. Pour permettre aux gens de découvrir, voir ce qu'il y avait dedans, si ça pouvait leur plaire. Et rien que là, on avait quasiment 4 000 abonnés. Donc, ça nous a vraiment donné la confiance. Et donc, on s'est dit, allez, banco, il faut aller au bout de la promesse. Et c'est chouette parce qu'en plus, on a une super fidélité des lecteurs, on a des super retours. Et sans se rêver trop grand, mais je pense que ça envoie un message que j'espère intéressant, qui est... Quand on dit voilà, les gens s'en foutent de la politique, les gens s'en moquent, de toute façon, les gens ne votent pas, je ne suis pas sûr que ce soit si évident. C'est-à-dire que ouais. Si on propose des choses qui collent peut-être plus, pas seulement à leurs idées, parce que justement, tu n'es pas là pour servir sur un plateau ce que les gens pensent déjà, mais si on colle à des formats différents, à des façons de faire différents, à des gens différents, il peut y avoir un intérêt. Il peut vraiment y avoir un intérêt, on le constate, on a passé cette barre des 6000, on n'est pas en kiosque, et on en est très content parce que ça nous coûterait assez cher, on serait obligé de mettre de la pub, ce qui n'est pas le cas dans la revue. Donc voilà, on est content comme tout. Quoi. D'accord, et tu abordes la revue rapidement, et après on va parler de censure parce que vous êtes là ce soir. La question, c'est pas viendront-ils fermement à nous faire fermer notre gueule, parce que c'est ça dont il est question, de façon très triviale, c'est ça, hein, vraiment dont il est question. Finalement, la revue, elle s'articule comment? Tu l'as construite comment, cette revue? Tu as des interviews, tu as des sujets, tu as des chroniques, tu as des zooms, comment ça se passe? On a cherché un petit peu la formule au début où effectivement on avait un interview et tout ça, et en fonction des invités pour le bouclage, hein, du numéro, à chaque fois, on a un décalage de 10 jours entre le bouclage du numéro et l'envoi aux abonnés, notamment en version papier. Donc, on a choisi une formule avec surtout des chroniques thématiques, ce qui nous permet d'être sûr d'avoir fini la revue au moment du bouclage. Et l'idée générale de toutes les personnes qui sont avec moi, donc Marion Messina, Loïc Besnier, Alexandre Langlois, Marie qui travaille pour Juste Mieux, Marie Virginia, et moi-même, votre serviteur, l'idée, c'est d'aborder l'actualité où chacun a un pas de côté qui lui est propre. Donc Marion Messina, auteure d'un roman qui s'appelle Faux départ, sorti en 2017, qui est également journaliste chez Marianne, elle traite l'actualité avec un regard un peu acide, mais tellement bien écrit, je crois, je suis sous le charme de cette dame. L'ami Loïc Besnier est un amoureux de cinéma, et son idée, c'est traiter l'actualité à travers les grands films thématiques. Par exemple, pour le numéro de mars, il nous réserve un article sur la génétique au cinéma. Donc, quels sont les grands films qui traitent de cette question-là, qui est une question plus que jamais d'actualité. Et c'est vraiment cette idée-là, c'est éclairer l'actu avec un peu plus de recul et avec le pas de côté du cinéma, de la politique, de la culture. Moi, dans mes rubriques, c'est pareil, mais je choisis un petit peu mon angle, je me fais ce petit privilège. Alors, merci beaucoup, en tout cas, Rémi, merci d'être là, merci d'avoir accepté mon invitation. On est parti pour un long entretien. Allez, vous êtes déjà plus de 1300 sur le live, beaucoup, beaucoup de commentaires en ce moment, beaucoup, beaucoup de choses. Abonnez-vous, bien sûr, allez à la chaîne de Rémi, Le Juste Milieu, allez voir aussi la revue, allez voir le site qui est très bien fait aussi, avec pas mal d'articles en ligne, très, très bien fait. Vraiment, regardez tout ça, ça vous permet d'avoir un autre regard sur l'actu. Et n'hésitez pas aussi, vous savez que j'aime bien que vous me dites d'où vous nous regardez. Je vois qu'il y a des Nîmois actuellement dans le live actuellement. Il y a des Nîmois ici, je vois des petits emojis crocodiles qui sont là. Certains me connaissent bien, peut-être connaissent aussi un peu Rémi. Donc, bonjour à tous et bonjour et bonsoir aux Nîmois et bonjour à celles et ceux qui regarderont la vidéo, bien sûr, pas en direct. N'hésitez pas donc de nous dire d'où vous nous regardez. Merci beaucoup. N'hésitez pas aussi à liker si vous êtes sur YouTube, hein, retweeter sur Twitter, mettre des pouces, concrètement, abonnez-vous à la chaîne et commentez un maximum sur tous les sujets. Et je vais essayer de prendre des commentaires puisqu'on me reproche souvent de ne pas donner la parole aux commentaires. Alors, je les regarde, mais il y en a beaucoup parce que j'ai tous les commentaires de tous les réseaux sous les yeux. Donc, j'en ai beaucoup qui défilent. Ouais, j'en ai beaucoup. Voilà, alors on commence, on va parler, on rentre dans le sujet. Liberté d'expression, Rémi, finalement. On en a parlé avec Greg Tabibian qui a des problèmes pour mettre des vidéos en ligne. Alexis s'est fait dégager de Twitch, Alexis Poulain, pardon. Ligne droite aussi, la matinale sur laquelle j'officie avec la grande prêtresse de l'info discordante Clémence Udiakova, que j'embrasse, qui est en vacances et elle a raison de se reposer. Elle a été aussi censurée sur YouTube.
Putsch, pareil, on s'est fait dézinguer sur tous les réseaux à peu près. Finalement, toi, déjà, est-ce que tu as la crainte de la censure aujourd'hui sur ta chaîne? Première chose. Et deuxième chose, c'est la question qu'on se pose tous en tant que YouTubeur. Si on se fait dézinguer la chaîne YouTube, comment toi, tu l'appréhends? Est-ce que tu l'as anticipé? Tu as un peu la revue et tout, mais comment ça se passe pour toi? Tu as déjà réfléchi à ce sujet? Ouais. Pour te répondre dans l'ordre, effectivement, cette crainte, elle est bien présente, elle est présente pour tout le monde, on le voit, hein, effectivement, et quelles que soient les plateformes, d'ailleurs, hein, Twitch pour Alexis Poulain, Le Monde Moderne, YouTube pour Greg Tabibian, pour Pooch, voilà. La menace est bien présente. Me concernant, je vous avoue, je touche du bois. Pour l'instant, je suis un peu passé entre les gouttes. J'ai des petites alertes de droit d'auteur, par exemple. Dans La Farce Tranquille, c'est une forme de zapping, d'une certaine manière. Il y a beaucoup de séquences qui ne m'appartiennent pas, donc qui sont France Télé, par exemple. C'est détecté automatiquement, et ils peuvent demander le retrait de la séquence. Ce qui fait que la vidéo, si la séquence n'est pas retirée, la vidéo ne peut pas être diffusée. Donc ça, j'ai que ça pour l'instant. Donc, franchement, je suis très content. Ensuite, pour la préparation, très clairement, au départ, l'inquiétude était financière, pour être tout à fait transparent. Parce que la monétisation des vidéos représente une certaine somme. Mais c'était aussi l'idée de la revue. C'est que la garantie de notre indépendance, c'est aussi une indépendance financière. Je serais un menteur de dire que je ne suis qu'un philanthrope qui fait l'abbé Pierre. Justement, elle nous permet de dégager de l'argent pour financer les autres projets, notamment un projet qui arrive à la mi-mars. La crainte qu'on avait, c'est ça. Maintenant, justement, elle a pris le pas, nous permet, même en cas de censure de la chaîne, de continuer. Mais c'est sûr que c'est du jour au lendemain. Les ciseaux de la censure peuvent s'abattre du jour au lendemain. On verra. Et toi, finalement, tu es un peu, alors pas fataliste parce que tu as déjà prévu, parce que c'est une entreprise, mais tu as déjà prévu un peu le coup en multipliant finalement les canaux d'information, donc les supports, donc de fait les canaux de monétisation aussi. Parce que tu as raison de le dire, Rémi, à chaque fois, notre survie, notre indépendance, la capacité que nous avons, toi, à faire des vidéos, à faire les revues, le site, et nous, à faire Pooch Media, le site d'actu, et les émissions que vous êtes en train de regarder ou que vous regarderez en replay, si on n'a pas de dons, si on n'a pas d'abonnement sur nos chaînes, un jour, vous n'aurez plus rien. Enfin, vous n'aurez absolument plus rien. Donc, je sais que c'est un effort financier à faire pour beaucoup, mais la réalité, c'est que c'est des émissions qui coûtent de l'argent, et tu le sais. Hein. Toi, tu as des personnes à charge et tout, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Sans financement, on ne peut rien faire. Bien sûr, et puis une fois de plus, en fait, on retombe dans la même logique. C'est qu'on a malheureusement, en tant que citoyen français, on a été bercé à l'illusion de la gratuité. C'est-à-dire que le service public, notamment, on regarde la télé, on écoute la radio, on se dit « bon, bah oui, voilà, ils sont là, ils existent, il n'y a pas de problème ». Mais les logiques de financement des médias ont toujours existé. Elles se posent encore aujourd'hui en termes d'indépendance avec les oligarques français. Je comprends pas pourquoi un oligarque est forcément russe, mais bon, c'est un autre débat. Ouais, c'est toujours pareil. Ça. Les oligarques français. Il y a des fermes, Rémi, d'oligarques russes, mais c'est des fermes en Russie, en fait. Voilà. C'est là que c'est des fermes d'oligarques, tu sais, ils les font par millions là-bas. Absolument. En France, ce sont des milliardaires. Donc voilà. Je me dis, bon, on choisira le mot qu'on veut. Et on a les oligarques français à la Xavier Niel et compagnie, Patrick Drahi et consorts, qui ont la main sur les médias. Mais on est toujours face à une logique de financement. Et pour revenir sur le service public, avec maintenant la redevance qui est tombée, qui n'existe plus, mais c'était l'illusion de la gratuité. Les Français ont toujours payé les médias, d'une certaine manière. Ils ont toujours financé des médias, à des hauteurs différentes. Mais là, aujourd'hui, les médias qu'on incarne aujourd'hui, nous tous et plein d'autres, reposent sur la même logique. Ce serait mensonger, effectivement, on vit avec de l'argent qui tombe du ciel. C'est pas vrai. Je pense que tout le monde peut le concevoir. Et là-dessus, c'est vrai que je suis tout à fait tranquille à évoquer cette question d'argent, quoi. Ah oui, non, mais de toute façon, on n'a pas le choix, j'ai envie de te dire. Je veux dire, nous, on a aussi des abonnés. Si ces gens, à un moment donné, résilient leur abonnement massivement, on disparaît, ni plus ni moins, on disparaît, véritablement. Donc, il y a une vraie logique aujourd'hui. C'est même presque, j'ai envie de dire, tu sais, c'est comme des médias, on va dire, plutôt gauche, extrême gauche, où il y a des véritables socios aujourd'hui qui soutiennent massivement ces médias. Hein, massivement. Moi, je suis très impressionné par certains médias qui ont énormément, énormément de bonnets, de dons. Hein, vraiment, c'est vraiment, on est limite à la limite du militantisme politique, presque là.
après. Hein. Absolument, ouais. C'est vrai que petit à petit, on pourrait imaginer une logique d'encartage presque des abonnés comme les partis ou les syndicats, absolument. Ouais. Et ça c'est important de le dire. Alors, je sais que parfois, ça m'énerve certains, mais on le répète hein, avec Rémi ou moi ou d'autres, hein, il faut absolument nous aider. Vous avez, toi, je sais que tu vas monter aussi toute une gamme de t-shirts, de trucs comme ça, nous aussi. Donc, on essaie finalement de se rémunérer comme on peut parce que c'est aussi le prix de… Parce que c'est le sujet de l'émission ce soir. C'est aussi la garantie de notre indépendance. Bien sûr, et puis de toute façon, cette logique-là, pour commencer petit à petit à regarder un peu les strates du sujet, cette logique de pognon, c'est aussi ce qui conditionne la liberté d'expression, de manière générale. Les plateformes, Twitter, Facebook, Twitch, YouTube, la liberté d'expression existe à partir du moment où elle est rentable. Une chaîne avec 100 abonnés sera beaucoup plus facilement fermée qu'une chaîne à 300 000. Donc, il ne faut pas oublier malheureusement que ces plateformes-là, leur regard sur la liberté d'expression, et même le cas Twitter et Elon Musk, on y reviendra sûrement, tout ça reste conditionné par le rôle des annonceurs. Le jour où les annonceurs se retirent, la liberté d'expression ne demeure pas. Et malheureusement, il faut pas se leurrer. Twitter, au moment du rachat d'Elon Musk, a suscité une forme d'engouement où on a dit ça y est, Elon Musk serait une sorte d'Iron Man de la liberté d'expression. Mais il vient chercher des annonceurs. Demain, la majorité de ces annonceurs lui disent maintenant c'est terminé, il faut financer le wokisme ou à l'inverse, financer le courant contradictoire, on va dire, qu'on incarnerait. Les annonceurs s'aligneront. Twitter s'aligneront par voie de conséquence. Non, mais ça, c'est vraiment extrêmement important. Parlons rapidement, finalement, des médias mainstream aussi, concrètement. Est-ce que toi, tu irais jusqu'à parler de propagande? Moi, j'en parle de propagande, hein, littéralement, et j'assume. Toi, sur les médias mainstream français, notamment, on l'a vu pas que depuis maintenant, enfin, on l'a vu bien avant, et ça remonte, hein, c'est pas qu'avec les gilets jaunes ou la crise sanitaire, c'était bien avant. Et je sais que c'est des sujets de l'Union européenne te passionnent aussi, cher Rémi. Mais aujourd'hui, franchement, on voit des choses dans les médias mainstream, mais on se dit, c'est pas possible. De toute façon, c'est peut-être un petit peu terre à terre, mais je pars du principe que c'est quand la question se pose qu'il est déjà trop tard. Quand on passe devant une forêt et qu'on voit des flammes, peut-on parler d'incendie? On ne sait pas, on peut papoter, mais toujours est-il qu'il y a des flammes. Et là, c'est un petit peu pareil. La question de la propagande, on en est à se la poser, c'est trop tard, c'est déjà trop tard. Alors, on peut éplucher les livres d'histoire pour savoir quelle est la définition, puis on va avoir des gens qui vont dire c'est plutôt ci, c'est plutôt ça. Mais à l'inverse, presque, je dirais qu'on est. Je me demande si on est dans la propagande, non pas pour la nier, mais parce que c'est tellement grossier que je ne sais pas si on est dans une autre forme en fait d'imposition d'idées et d'imposition d'une idéologie, parce que c'est grossier, quoi. C'est gras. C'est que la propagande, si on en fait un petit peu l'éloge, tu as une forme de finesse qui fait que. Voilà, les gens ne s'en rendent peut-être même pas compte. Ce sont des pickpockets de la pensée. Tu ne te rends pas compte, tu n'as plus ton portefeuille. Là, aujourd'hui, tu allumes BFM TV, l'affaire Palmade en première ligne, parce que malheureusement, ça fait l'actualité. Mais c'est grossier. C'est grossier. On voit des gens qui presque te tentent de faire croire que le coupable dans cette affaire, c'est la cocaïne. Voilà, maladroitement, il aurait fait quelques rails, à rendre jaloux la SNCF, et puis de fil en aiguille, bam. Enfin, c'est absurde. C'est grossier, c'est absurde et c'est visible. Oui, parce que c'est vrai que la notion d'addictologie revient en permanence. Donc, quand tu vois le nombre de médecins addictologues qui sont passés sur le plateau depuis 4 jours, tu te dis, c'est une armée d'addictologues. Je ne savais même pas qu'elle avait autant en France d'addictologues. Mais c'est incroyable. Non, mais je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que je voudrais qu'on discute là-dessus. Je voudrais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que toi tu penses que c'est à cause de la concentration d'oligarques, milliardaires, de grands groupes industriels derrière les médias finalement qui influencent l'actualité ou le parti pris sur les sujets importants, notamment sur les sujets géopolitiques, hein, on voit bien le conflit ukrainien avec la Russie, ou est-ce que comme moi tu penses aussi, moi je pense qu'il y a aussi de l'endogamie, j'ai écrit un livre d'ailleurs là-dessus chez Hugo Compagnie, c'est le grand Herman des médias là-dessus. Comment tu l'analyses? D'une part, les grands groupes puissants derrière et l'endogamie, tu en fais quoi? Ou est-ce que tu ne penses pas aussi? C'est possible. Je pense que le problème n'est pas là. Parce que ça n'est pas une découverte. Je veux dire, l'idéologisation des médias existe depuis leur fondation.
Oui. La création de l'UMA, la création de Libération, la création du Figaro, il y a toujours eu une couleur politique, une orientation idéologique. Je pense que le problème n'est plus là. Moi, ce qui m'angoisse le plus aujourd'hui, c'est qu'on parle beaucoup de liberté d'expression. Mais la liberté d'expression, c'est le dernier maillon de la chaîne. C'est le moment où on ouvre la bouche. Ce qui m'inquiète le plus, c'est avant cela, est-ce que les gens peuvent ouvrir la bouche? Et encore pire, est-ce que les gens ont envie d'ouvrir la bouche? Parce que la liberté d'expression, c'est une chose, mais il y a aussi, si on théorise un petit peu la chose, il y a le pouvoir dire et surtout le vouloir dire. Et on a vu au moment du Covid, effectivement, une propagande sanitaire, là, je te rejoins à 100%, mais on a vu, pour moi, la grande malice de cette propagande, ça a été de faire en sorte que les gens, même entre eux, dans leur cercle familial, leur cercle d'amis, leur cercle de couple, leur cercle de travail, qu'entre eux, les gens n'avaient même pas envie d'évoquer le sujet, de peur d'être catégorisés ou quoi que ce soit. Et à ce moment-là, ça n'est plus directement la faute d'LCI ou de CNews. Il n'y a pas un journaliste caméra braquée qui vérifie ce que disent les gens. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est ça. Parce que la concentration des médias, l'idéologisation, ça a plus ou moins toujours existé. Mais ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est la censure que s'appliquent les gens à eux-mêmes sans qu'on les oblige. Et ça, ça devient redoutable. Et sur des sujets différents, d'ailleurs. Pas forcément le Covid. Ça, c'est intéressant ce que tu abordes comme sujet, même très intéressant. Et c'est pour ça, c'est vraiment, on est pile poil dans le thème de l'émission que nous abordons ensemble. Finalement, on se rend compte qu'une partie de la propagande est un régime totalitaire, parce que là, je crois qu'on est quand même manifestement sur un courant totalitaire assumé, même s'il est soft. Hein, finalement, on se rend compte qu'un pouvoir totalitaire comme celui-ci ou d'autres a besoin aussi d'une majorité de la population pour pouvoir criminaliser l'autre minorité. Dans ce sens-là, tu t'auto-censures et dans ce sens-là, tu te disputes avec tes amis, tes voisins sur ces questions-là. Mais finalement aussi, qu'est-ce que ça nous dit de cette majorité? Ça nous dit, est-ce que ça nous dit pas aussi qu'il y a eu un effondrement intellectuel et culturel d'une partie de la population française depuis 30 ans qui n'est même plus en capacité de s'émanciper et de chercher par elle-même ce qui peut être finalement un libre arbitre et de réfléchir et de dire, attends, ce qu'on me dit à la télé, on est en train de prendre pour un abruti, pour pas dire autre chose. Il y a ça aussi peut-être en dessous, hein, parce qu'on l'a bien voulu finalement. Absolument, absolument, effectivement. Ce serait trop facile de mettre la faute seulement sur CNews ou David Pujadas, clairement. Ce serait beaucoup trop facile. Donc chacun doit prendre sa part de responsabilité dans l'émergence de ces phénomènes-là. Je te rejoins pleinement. Après, là où j'ai un doute, je ne conclurai pas, mais là où j'ai un doute, c'est est-ce que c'est la majorité politique qui a besoin de ce système cette concentration d'élites à la fois financière, médiatique et économique et culturelle, ou est-ce que c'est l'inverse? Parce qu'aujourd'hui, quand on voit tous les jours ou presque, là c'est Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Aujourd'hui, c'est génial. Tu as fait une vidéo là-dessus d'ailleurs aujourd'hui que je vous invite à aller voir. Ça tombe tous les jours. Voilà. Il était président du Conseil de l'Eure. Il négocie une histoire de création autoroutière avec une entreprise qui s'appelle Paris-Normandie. Dont il est administrateur. Enfin, on marche sur la tête. Et ça, dans un silence général. On sort la chaussure de sa boîte, on la montre, puis on la range. Il y a Elbron Pivet, président de l'Assemblée nationale, qui a un patrimoine d'action incroyable, notamment chez Hallucinant. Ça a fait la séquence 3 heures. Parce qu'on a Alma Dufour de la France Insoumise qui, à juste titre, l'a épinglé en disant « Attendez, vous trouvez ça normal ?» La séquence a duré 3 heures, c'est tout. Et donc, ce qui m'impressionne aujourd'hui, et de manière très négative, c'est ça. C'est, je crois plus et de plus en plus que ce sont les élites autres que politiques qui ont besoin de ce système-là et qui l'amènent au pouvoir. C'est le travail d'un Juan Branco, c'est le travail d'un journaliste belge qui s'appelle Eric Stemelen, qui fait un livre qui s'appelle Opération Macron, qui raconte comment le personnage Macron a été créé. Ça me semble de plus en plus limpide. Non pas que les autres n'étaient pas dans ce cas-là, mais ça me semble aujourd'hui de plus en plus limpide. Oui, donc il y a une véritable oligarchie aussi qui est au-dessus, finalement. Mais pour en revenir à ça, je voudrais quand même qu'on note qu'il y a quand même une responsabilité de la population française aussi en majorité, puisque les gens qui nous regardent, d'ailleurs, vous êtes plus de 1800 en ce moment à nous regarder, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires. Vous qui êtes là devant l'écran, sur votre téléphone ou ailleurs, qui regardez cette émission, vous êtes des gens finalement qui ont envie aussi d'entendre autre chose. Mais il y a quand même une partie de la population qui a laissé faire. Donc quand finalement tu laisses faire, tu as des gens qui en prennent, tu leur donnes ça, ils en prennent ça. Et je pense que c'est un peu le travers de notre classe politique qui est élu, alors que nos médias, eux, sont pas. Enfin, il n'y a pas d'élection pour envoyer ces chers amis à la tête des médias, mais au niveau de la classe politique, il y a quand même cette responsabilité aussi d'une partie de la population.
Je dirais oui et non, parce que Oui. sans déresponsabiliser quiconque, en 2005, quand on demande au Oui, peuple est-ce que mais vous voulez cette constitution européenne, il dit non. Donc on a des gens qui, à ce moment-là, ont conscience des enjeux, c'est la démocratie, ils disent non. Et on leur impose quand même. Donc je veux pas déresponsabiliser, parce que je suis pleinement non, d'accord avec toi que, effectivement, il y a peut-être un engagement dans le monde des idées, dans le monde de la réflexion, qui fait que, malheureusement, une certaine partie de la population aujourd'hui est peut-être plus naïve ou accepte plus facilement toutes les mais. errances qu'on a sous les yeux. Maintenant, on a aussi des gens qui, peut-être, ont baissé les bras. C'est-à-dire, je Oui. parle de la France, mais Ouais. le Brexit, c'était pareil. Je veux dire, on a eu des campagnes monstrueuses. Je ne comprends même pas encore aujourd'hui comment le Brexit a pu passer. Ouais. Il y a eu une mobilisation médiatique incroyable. En 2005, en France, c'était Oui. 72% de la présence médiatique qui était sur le oui. Enfin, c'était hallucinant. Ah C'était oui, hallucinant. c'était. Oui, là, je te rejoins tout à fait. Tu as raison de le noter, parce que moi, j'en parle dans toutes mes émissions, même quand on ne parle pas d'Union européenne, donc comme quoi c'est tellement important. Mais pourquoi j'en parle? Parce que je suis d'accord avec toi, Rémi. C'est-à-dire que pour moi, à un moment donné, le viol démocratique, parce que moi, j'appelle ça un viol démocratique en 2005, ça fait basculer notre pays, finalement, dans une antidémocratie absolue, légitimée, assumée et délibérément faite, à un moment donné, pour excommunier la population française des grandes décisions de ce pays. D'ailleurs, on voit aujourd'hui où ça nous mène. Dans le mur, dans le chaos, et à mon avis, ça va se payer très cher. À mon avis, ça va se payer très cher. Parce que, y a aussi le retour de bambou de ça. Je crois qu'on ne gouverne jamais impunément contre les peuples. Hein. Si on a ouvert deux, trois bouquins d'histoire sur l'histoire française depuis 4 siècles, il faudrait quand même que ces gens, à un moment donné, ils ouvrent des bouquins. Je sais que tu adores les livres. Comme moi, tu vois, il y a quand même ça aussi, hein, cette idée-là. Hein. Certes, mais les livres d'histoire qu'on peut ouvrir nous enseignent l'histoire de France. Et aujourd'hui, on est dans une dimension où ça n'est plus la France. Si on va sur l'Union européenne, avant, de toute façon, on est dans le sujet. Hein, on est dans le sujet. L'Union européenne, c'est cette entité-là aujourd'hui qui domine, qui pilote. Quand des histoires d'encadrement des médias doivent se décider, elles se font au niveau européen. Ils sont en train de discuter pour créer une sorte de super ARCOM, donc de super CSA au niveau européen. Tout devient comme ça. La politique sanitaire, on l'a vu, devient comme ça. Donc la question n'est plus tant sur la France. Et ça, par contre, les livres d'histoire ne nous l'enseignent pas. Qu'est-ce que l'évolution démocratique sous le coup d'une supra-entité comme l'est l'Union européenne? Là, on est dans l'expérimentation. Et effectivement, ça peut très mal finir, par contre. Ben oui, il me semble d'ailleurs, regarde le nombre de lycées, je me permets, de collèges qui s'appellent Robert Schuman et Jean Monnet. Si là, on n'est pas quand même dans le. Mais là, on est chez les dingues, on est vraiment chez les dingues. Jean Monnet, Robert Schuman, on parlait de ça, c'est justement pour ça que, de dire que c'est vraiment devenu l'histoire de France, mais dans sa pire des facettes, finalement, dans le sens où Jean Monnet, Robert Schuman, on ne peut pas te dire que Jean Monnet, c'était quand même un grand démocrate. Il avait quand même un sens de l'humour très approximatif quand il parlait de peuple et de population, me semble-t-il. Voilà. Clairement, clairement, non, non, mais c'est certain. Alors, bon, faut peut-être s'en contenter parce que quand dans 10 ans, on aura les collèges Lilian Thuram et Nabila, on fera peut-être moins les malins. Mais écoute, dans l'immédiat, effectivement, on a ça. Mais malheureusement, je pense qu'au niveau de l'éducation nationale, et parce que c'est aussi ça, c'est la censure, c'est aussi le fait qu'il y a beaucoup de gens. Moi, je me rends compte dans mon entourage, des gens qui ne sont pas forcément dans le milieu dans lequel nous évoluons, qui se rendent pas compte, ils se rendent pas compte à quel point on est censuré, qui se rendent pas compte à quel point tous les matins quand on se lève, on a toujours la peur du mail en disant votre vidéo a été censurée, votre ci, votre mi, et c'est terrible. Et on se rend compte qu'aussi, dans ce sens-là, il y a quand même des gens qui n'ont pas pris conscience. Alors, je dis pas une grande majorité, mais il y a quand même pas mal de gens aujourd'hui qui n'ont pas conscience aujourd'hui que la France a basculé de guerre depuis 2005, mais sur la censure aujourd'hui, elle est terrible. Elle est terrible pour nous. Sans pour autant me faire l'avocat du diable, il faut aussi qu'on reconnaisse, et tous hein, dans cette sphère-là, la sphère qu'on incarne, aussi diverse soit-elle, que jusqu'à présent, on passe notre temps à dire qu'on est censuré sur YouTube, sur des plateformes où ça n'est pas encore complètement le cas. Donc, je suis d'accord qu'effectivement, ça pourrait être mieux. Maintenant, on a quand même signé un pacte, entre guillemets, avec le diable. C'est que on est sur YouTube, on est sur Twitch, on est sur Twitter, on est sur Facebook, on est sur Instagram et compagnie. Donc, des plateformes privées qui, depuis le début, peuvent de toute façon décider de notre sort en un claquement de doigts, que l'on tienne des propos fâcheux ou pas. Donc, je suis d'accord avec toi. Maintenant, on le sait depuis le début, ce n'est pas une découverte. Et que de toute façon, ces entreprises privées ne sont pas tenues d'être les garantes de la liberté d'expression. Ça n'a jamais été vrai, ça n'est pas vrai. C'est délicat, bien sûr que c'est délicat, et on aimerait que. Mais il faut aussi reconnaître que, voilà, on est présent avec des difficultés plus ou moins importantes, mais qu'on sait aussi où on est, quoi.
et que malheureusement, on n'a pas. Il faudrait un jour qu'il y en ait un d'entre nous qui gagne au loto, qu'on puisse créer une plateforme où on ait réellement les droits. Et encore, d'ailleurs, faudrait-il qu'au niveau de l'accès Internet, on n'ait pas des soucis là aussi. Enfin, effectivement. Oui, parce qu'effectivement, on peut le dire aussi. Moi, je sais que souvent, on doit le dire aussi. Dans les commentaires, on dit va sur Odyssée, va sur machin. Mais bon, la réalité, c'est qu'Odyssée, les gars, vous êtes 350. Donc, je vais... Et d'ailleurs, Greg a fait un tweet aujourd'hui pareil, parce que on vous dit allez sur Odyssée, vous serez plus libre. Ça, on verra. Mais surtout qu'il n'y a personne. Donc, malheureusement, il y a cette espèce de monopole de la vue, hein, de la vue, parce que sur YouTube, c'est la vue, qui est là. Et vous êtes tous là, nous sommes là. Donc, il y a aussi cette espèce de... Rémi, est-ce qu'on pourrait pas penser à un moment donné quand même que dans un pays comme la France, les GAFAM, du moins les plateformes sur lesquelles on est, devraient aussi, l'État français, bon, c'est dans le meilleur des cas, bien entendu, je parle d'un monde bisounours à la barbe à papa qui n'existe plus, hein, ne vous méprenez pas, l'État français ne pourrait pas à un moment donné imposer à ces plateformes aussi un pluralisme des voix, une liberté d'expression contre laquelle, si on est censuré, avoir un recours valable, parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas de recours, hein, tu n'as aucun recours, c'est ça aussi le problème. Mais enfin, c'est trop tard. C'est trop tard. Je crois que malheureusement, on n'a pas le choix. Il aurait fallu que Dailymotion, par exemple, soit un succès absolu, soit soutenu par des finances publiques et compagnie, et d'autres projets plus européens, on va dire. On est entre les griffes des GAFA, mais il faut malheureusement l'accepter. Tant qu'on n'a pas les possibilités de créer nos propres plateformes, on est sous le coup de ces incertitudes-là. Et ce qui me semble le plus effrayant, parce que autant sur ça, c'est vrai que je suis défaitiste et j'accepte mon sort. Par contre, ce qui me semble être plus effrayant, c'est quand Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture, se fait encore plus rude sur la censure que les GAFAM eux-mêmes. Oui. Et qu'elle nous sort quand même. Alors celle-là, c'est vrai, heureusement que j'étais assis, parce qu'il faut être couillu pour la sortir. Elle t'explique, au nom de la liberté d'expression, il faudrait censurer ces chaînes s'il y a encore des problèmes répétés. C'est incroyable. C'est vraiment au nom de la chasteté, développons les gangbangs. Enfin, c'est formidable. C'est vraiment formidable de bêtises et de dangers. Et là, les GAFAM n'y sont pour rien. Alors, moi, je l'ai entendu répondre au banc de l'Assemblée, et elle est allée même plus loin, parce qu'elle s'est planquée derrière le pluralisme des voix. Et alors, quand tu écoutes France Inter, notamment, ou d'autres, hein, pas que, mais France Inter, ou C'est à vous, ou C'est ce soir, ou C'est demain, ou ça sera jamais, ne revenez pas, peu importe, tu te rends compte que le pluralisme des voix, tu le cherches. Allumez votre télé ce soir sur une émission comme C'est à vous ou demain matin sur Matinale France Inter. En termes de pluralisme des voix, je suis pas persuadé que Madame la ministre de la Culture soit bien inspirée de s'en remettre au pluralisme des voix quand vous voyez que ces gens sont payés par nos impôts. Me semble-t-il que ça me pose un véritable problème, cette espèce d'argumentation, cet alibi fallacieux qui est censé finalement décrédibiliser une chaîne comme CNews ou C8. Mais bien sûr, mais de toute façon, CNews, dès le départ, et avant même le rachat de Bolloré, à partir du moment où ils ont commencé un petit peu à droitiser leur ligne, le problème n'était pas que c'était devenu la chaîne de Goebbels, c'est qu'ils n'étaient pas comme eux. Et ce qui est un paradoxe formidable pour des gens qui prônent la tolérance en permanence. Et le problème de CNews, c'était de sortir de la ligne, c'était pas d'être un ersatz du Troisième Reich. C'est pas vrai. Et aujourd'hui, ça continue dans cet ordre-là. Et ils ne s'en cachent plus. Et d'une certaine manière, ils ont raison, parce qu'on en revient toujours au même point. Ils ont été élus. Donc, ils ont au moins la raison des urines. Des urines. Le lapsus. Oh, tu sais, j'ai envie de dire, ça pourrait presque passer. Ça pourrait presque passer, finalement. Mais on voit bien que là, je crois que ton indignation est juste et légitime, dans le sens où c'est une ministre de la Culture qui interfère immédiatement dans la ligne éditoriale de chaînes privées et qui finalement ferme la porte aussi à des centaines de milliers de gens qui regardent CNews, notamment sur la tranche Pascal Pro ou d'autres, qui espèrent ou qui ont envie d'y entendre des choses différentes, même si je suis très mesuré sur ce qu'on entend chez Pascal Pro, bien des fois, parce que franchement, il y a toujours les mêmes, je suis désolé de le dire, mais bon, il y a des sujets, ça vole pas haut. Là, on a eu, là ces derniers jours, c'était plus l'heure des pros, c'est l'heure de Palmade. Hein. Ça fait 3 soirs qu'ils sont sur Palmade en continu. Hein. Enfin, à un moment donné, il faut se poser la question de savoir les sujets qu'on traite. Mais je pense que ça, tu as bien fait d'aborder ce sujet, je voulais t'en parler. Je pense que c'est une dérive qui devient de plus en plus prégnante sur la capacité à un moment donné d'un État ou d'un exécutif à un moment donné appuyer sur un pluralisme des voix qu'il n'a plus envie d'avoir aussi, quoi, parce que bon, on a eu la loi Avia, hein, quand même, on a failli avoir la loi Avia, hein.
Ouais, mais qui n'est qu'un prémisse à autre chose. Mais Mmh. l'exemple qui me semble le plus parlant et le plus symbolique, c'est le cas RT France. On a Ouais. dit interdire au niveau de l'Union européenne, tu vois, on en parlait, c'est pas Oui, la oui. France seule, hein. Au niveau de l'Union européenne, on a dit, bon, ben voilà, RT France est financé par le pouvoir russe, c'est inadmissible, il faut arrêter. Quels sont les modes de financement de TV5 Monde ou de France 24? C'est exactement pareil. Et on a des amis en Afrique qui ont dit pareil, au Mali notamment, mais on ne veut plus de ces chaînes-là. Ça suffit, votre ingérence médiatique, c'est pareil. Et l'argument s'est retourné en plein dans notre tronche. Et c'est extrêmement symbolique. C'est que il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et ça, pour le coup, bien sûr, je peux discuter avec n'importe qui sur toutes les idéologies, toutes les idées, bien évidemment, mais là, c'est factuel et sur des choses identiques. Donc si on estime que ça n'est pas pareil, c'est beaucoup plus compliqué, quand même. Oui, mais là, tu as raison de le dire, parce que RT France a été fermée à pratiquement 48 heures, je crois. Elle a été supprimée des réseaux en 48 heures. Tu as bien fait de le dire aussi, parce que c'est même pas passé par l'ARCOM, c'est passé par Ursula von der Textoleyen, la présidente de la Commission européenne, qui a été élue par personne, elle a été élue que par elle-même, et peut-être par son mari et son fils qui bossent un chez McKinsey, l'autre chez Organesis. Allez voir, c'est assez intéressant. Et finalement, on se rend compte que là, c'est la brutalité absolue du totalitarisme, du purisme des voix. Parce qu'RT France, d'ailleurs, on pourrait citer aussi en chaîne étrangère, pourquoi pas ne pas interdire d'émettre Al Jazeera et toute une série de chaînes aussi. Parce qu'on Bien pourrait sûr. aller taper très loin dans ce cadre-là. Bien sûr, absolument. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Voilà, on pourrait aller taper très loin. Je crois qu'on pourrait taper très loin. Et ça, c'est. Et tu vois, on l'avait dit, parce que moi, vous le savez, pour ceux qui me suivent, j'ai été éditorialiste chez RT France pendant 3 ans. Chaîne que je remercie d'ailleurs, qui m'a donné ma chance à la télévision. Donc, ça aussi, c'est intéressant, parce que. Et je le dis souvent. C'est-à-dire que si les médias mainstream, et tu vas me dire ce que tu en penses, si les médias mainstream faisaient leur boulot, matin, midi et soir, s'ils avaient un pluralisme des voix, s'ils invitaient des gens à débattre des vrais sujets et pas faire des prétoires de tribunaux comme ils savent le faire, RT France n'aurait pas pu s'installer en France parce qu'elle n'aurait, il n'y aurait pas eu de place à prendre. Elle s'est installée, elle a fructifié puisque les médias font pas leur boulot. Ça, c'est mon analyse et je la défends. Voilà. Bah, les médias ne font pas leur boulot. Le Le pluralisme, pire, hein, c'est. le pluralisme, rien. Ouais, bah, en termes, oui, non, mais en termes de pluralisme, ça c'est certain. C'est certain. On le voit bien. Il y a pluralisme quand c'est nécessaire. C'est ce qui est encore plus effrayant. C'est que on l'a vu avec Marine Le Pen en 2022, pour la présidentielle 2022. C'est que elle a été extrêmement bien dépeinte avant le premier tour. Elle Ouais. arrive au premier tour. Hop, le basculement, ça y est, elle est nazie, en fait. On avait oublié que quand elle caresse pas des chats, elle lit Mein Kampf. Ouais. C'était ridicule. Et donc, il y a pluralisme quand ça arrange. Pascal Praud, on en parlait. Je suis peu à l'aise avec lui, je sais plus quel journal avait fait une petite enquête, je me demande, c'est pas Libération, pour le coup, mais qui n'avait pas tapé aveuglément, comme ils ont l'habitude de le faire, où il démontrait qu'il était quand même assez proche du pouvoir, qu'il était reçu à l'Élysée de temps à autre, qu'il avait des contacts assez clairs avec des ministres, et qu'on est quand même loin du Che Guevara qu'on peut nous décrire de temps à autre. Donc, le pluralisme, déjà, le peu qu'on peut avoir de pluralisme, attention à l'illusion. Éric Zemmour, c'était ça, à mon avis, hein, ça n'est que mon avis. La construction du personnage politique Éric Zemmour, c'est la construction du personnage Macron. En termes de soutien financier et médiatique, je ne vois pas beaucoup les différences. On a eu des unes de Paris Match, on a eu une histoire de love story un petit peu bidon avec Sarah Knafo qui était supposément enceinte. On a eu Bolloré derrière, comme Macron avait Niel ou Arnaud et consorts. Donc, on le voit. Et à ce moment-là, on a dit super, le pluralisme. Les autres médias disaient, oh, CNews, la zémorisation de l'antenne CNews. En fait, c'était une fois de plus du grand guignol. Oui, et d'ailleurs, tu as raison de le dire, parce qu'on voit que Zemmour, d'ailleurs, est pour la réforme des retraites, est beaucoup plus brutale que celle que veut Emmanuel Macron. Donc ça, c'est intéressant aussi, parce que quand tu veux faire l'alliance de la bourgeoisie, et de la France populaire, quand tu es à 100% pour la réforme des retraites jusqu'à 65 ans avec une capitalisation, ça rejoint ce que tu dis, Rémi. C'est finalement que c'est quand même, on est quand même sur un candidat qui a peu d'acquaintance avec la population et qui a peu d'acquaintance avec ce qui fait la France périphérique, d'où je suis né et d'où je suis issu, d'où je vis, il me semble. Donc je suis assez d'accord avec toi sur la figure Zemmour qui a été utilisée par les mainstreams pour traiter ou accuser CNews de zémourisation. Je suis assez d'accord là-dessus. Ouais. Tout à fait, mais je vais complètement faire du Gad Elmaleh et voler cette phrase sans aucune précaution, voler cette phrase à Pierre-Yves Rougeron qui explique très bien, c'est que quand un membre se gangrène, il faut tout couper.
On ne peut pas couper un petit bout ou mettre un pansement ou mettre du mercurochrome ou je sais pas quoi. Et là, c'est pareil. Le programme d'Éric Zemmour, en l'état et en restant dans l'Union européenne, est inapplicable à 60 ou 70%. Oui. Et on a joué avec je ne veux pas dire le manque d'espoir des gens, mais presque. C'est-à-dire que Zemmour, on en a fait le représentant du peuple, le représentant de la France périphérique, mais jamais de la vie. Ouais. Non, jamais, ouais. C'est clair. Jamais de la vie. Et son programme, je veux dire, sans sortir de l'Union européenne, c'était de la poudre de perlimpinpin, comme dirait. Ouais. Non, mais ça, c'est un vrai problème, parce que finalement, tu vois, on y revient toujours. Même si on ne veut pas en parler, on y revient toujours. C'est ça qui est terrible, parce que, non, mais sur la censure, sur la liberté d'expression, sur tout ça, on voit bien, et tu l'as très bien dit, d'ailleurs, ça avait été le cas pour le traité de Maastricht, où il y avait eu, la presse était absolument dingue pour le oui, donc le oui est passé à pas beaucoup. Il y a eu le traité constitutionnel, c'est pas le traité de Lisbonne, c'était le traité constitutionnel de 2005. Et là, la presse, alors tout le monde, c'était pro-Europe, pro-européiste, européiste, européiste. L'Europe, c'est la paix, la nation, c'est la guerre. Et en plus, on aura Erasmus. Alors là, on a vu ce qu'on a vu avec Erasmus. Hein. C'est ce que nous a vendu Macron quand Olaf Scholz est venu il y a 10 jours à la Sorbonne, là où Macron nous a trahis avec la souveraineté européenne dans son discours qu'il avait fait valider par Angela Merkel en 2017. Et il nous a dit, le soir même, c'est tous les ministres, nous ont dit, c'est génial, on aura des milliers de billets de train pour que les étudiants français aillent à Berlin. Ah ben la belle jambe. Ah ben la belle jambe. Ah belle jambe. Enfin, peu importe. Mais c'est vrai qu'on y revient toujours. On y revient toujours. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de ne pas parler des vrais sujets et surtout de faire taire les voix discordantes et l'Union européenne. Alors, on est les... dès que tu as un semblant souverainiste ou un penchant souverainiste, tu es la pire ordure que l'humanité ait connue. Hein. Clairement, et le pire, c'est que, à la limite, qu'on en débatte, qu'on ait un candidat qui propose la sortie de l'Union européenne, qui soit battu dans les urnes, ok, mais là, ça n'est même pas un sujet. C'est ce que dit François Asselineau. On adhère pas. Mais il explique que François Asselineau, donnez-lui le temps d'antenne d'Éric Zemmour en 2022, on sort de l'Union européenne. Mais j'en mets ma main à couper. Tu le penses, toi, que si François Asselineau, que j'ai reçu d'ailleurs il y a 10 jours hein, dans Poudin, l'entretien, tu penses que si François Asselineau avait eu un vrai temps d'antenne, parce que c'est vrai qu'il est blacklisté, François Asselineau, hein, complètement, tu penses que lui, il aurait pu, à un moment donné, au moins aller titiller sur le second tour? Vraiment? Au moins, ce serait devenu un sujet. Je pense que les Français auraient pris connaissance du sujet, parce que peut-être que beaucoup de nos concitoyens ne sont pas forcément au fait des enjeux sur ce potentiel Frexit. Et avec un temps d'antenne, Zemmour, c'était le pic du pic, mais même un temps d'antenne moyen, comme a pu avoir une Pécresse ou une Hidalgo, est-ce qu'il va au second tour? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça secoue le cocotier, et très sérieusement, parce que là, ça devient un sujet. Depuis quand n'a-t-on pas parlé de Frexit dans les médias sans hystériser la chose et dire c'est le retour du maréchal Pétain? Et encore que, pour M. Le Chypre sur BFM TV, mais le maréchal Pétain n'est pas si dégueulasse que ça. Oui, parce que le Chypre, lui, il cite des lois de 41, lui. C'est, il est génial. Même Aurélie Casse lui dit, Emmanuel, c'est quand même là, ouais, quand même là, 41, c'est un peu exagéré. Mais le pire, c'est que je trouve qu'il a raison. Le pire, c'est qu'il a raison. Le problème, c'est qu'ils sont dans le logiciel BFM TV, qui fait que si tu parles du maréchal Pétain, pas sans faire l'éloge, mais en disant, bah oui, en 14-18, ça a été le grand soldat qu'on connaît. On va dire, ah oui, donc en fait, d'accord, vous acceptez ce qui s'est passé, le maréchal Pétain, Vichy. Attendez, pas du tout, c'est pas la même période. Si tu installes la nuance, tu quittes le logiciel BFM TV. Et ils se sont fait avoir à leur propre piège. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord avec le Chypre. Cette loi, effectivement, elle est votée sous Vichy. La calendarisation de la fête des mères, c'est aussi Vichy. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on fête notre maman, on est le maréchal Pétain? Je ne suis pas sûr. Ouais. Et ils se sont fait prendre à leur propre piège. Et c'était passionnant de les voir se débattre en disant « Oui, non, mais il faut nuancer, mais bon, en même temps, ce n'est pas notre spécialité. Enfin, » c'est formidable. Après, ils s'enfoncent. Hein. Ils s'enfoncent, mais bon, ils s'enfoncent très rapidement. C'est ça qui est compliqué. Mais en plus, j'ai l'impression qu'ils sont contents de s'enfoncer. C'est ça, ce qui est bien avec ces gens. Bon, on arrive troisième partie d'émission. Je voudrais qu'on parle un peu politique. Est-ce que toi, aujourd'hui, la situation économique est désastreuse? On est un véritable mur, concrètement, et l'Union européenne y est pour beaucoup. Et la trahison de nos élites aussi, hein, parce que Emmanuel Macron qui ne veut pas sortir du marché européen énergie, il a un coup de téléphone à passer à Ursula von der Leyen. D'ailleurs, elle commence à avoir la justice aux fesses par le New York Times. Ça, c'est quand même bon, ça, c'est régalade. Hein. Le Times, le New York Times qui attaque Ursula von der Leyen pour les textos avec Bourla, c'est formidable. Mais pour en venir à ma question, est-ce que toi, tu penses que la situation que nous vivons aujourd'hui, il y a un petit côté délibéré, un petit côté sadisme aussi, pour des intérêts privés, bien entendu?
Comme depuis le début, je pense juste que ça se matérialise parce que les situations sont devenues sérieuses. C'est-à-dire que Ouais. ça fait 20 ans, disons, en France, même disons, dans la majorité des pays de l'Union européenne, où on joue à la guerre. Dernier exemple en date et peut-être le plus marquant, Emmanuel Macron face à un virus, nous sommes en guerre. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ce n'est pas du théâtre, ils ne sont pas là pour faire des blagues, enfin, semble-t-il au départ. Donc on a des dirigeants qui jouent à la guerre, qui justifient plus ou moins tous les mouvements, qu'ils soient financiers, économiques, sociétaux, avec cette logique-là, cette logique d'entraide de l'Union européenne. C'est le couple franco-allemand. Ouais. Oh oui. Voilà. Autant Ouais. de couples franco-allemands que de fidélité dans certains couples de Oui, stars. enfin, c'est le couple, surtout sadomaso. Le problème, c'est savoir qui tient le fouet et qui est quatre pattes. C'est un problème aussi. Absolument. Absolument. Mais on a justifié tout ça avec cet argument de l'Union européenne est la garantie de la paix. C'était l'argument parmi les Oui. arguments. C'était, voilà, oui, on comprend, 2005, ça vous a embêté. Bon, le traité de Lisbonne, c'est vrai que ça passe pas très bien. Mais rendez-vous compte, si on fait tout ça, c'est que ça maintient la paix. Et entre des pays qui, à un moment donné, se sont tapés sur la tronche. Donc, on a toujours eu ça. On a vu avec le Covid que la logique se morcelait. Quand on voyait des gens sur les tarmacs des aéroports venir se négocier des masques entre pays de l'Union européenne et l'Allemagne en première ligne, ça commençait à devenir cocasse, quoi. L'union entre les peuples, c'est sympa comme tout, mais ça commençait petit à petit à ressembler à un club échangiste où, au bout du compte, tout le monde rentre chez soi. Et tout ça se fissure et aujourd'hui, ça ne tient plus. Je pense que la majorité des citoyens, et en tout cas de tous les pays de l'Union européenne, ne sont plus dupes et comprennent bien que pendant que le cirque prend fin, il y a vraiment la guerre qui commence à toquer à la porte. C'est que là, ça commence vraiment à parler obus, missiles, mitraillettes. Là, c'est plus une blague. C'est plus une blague. Et on a des dirigeants qui se retrouvent à poil. C'est-à-dire qui ont dit, ah non, mais attention, parce que si j'enlève mon manteau, moi j'ai des muscles, tu vas voir, j'ai des gros muscles. Là, on leur a enlevé le manteau, c'est Stephen Hawking, en fait. Donc ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce qu'on comprend qu'ils n'ont pas de pouvoir là et que ce qu'ils appelaient leurs gros muscles s'appelle Bruxelles. Et qu'à partir du moment où on ne respecte pas les gros muscles de Bruxelles, ben c'est fini. Que ce soit sur le plan légal, comme l'a expérimenté la Pologne, me semble-t-il, qui voulait que le droit polonais soit supérieur au droit européen, on leur a dit, mais vous faites ce que vous voulez, chers amis polacs. En revanche, l'argent du plan de relance européen, vous vous le rangez dans la bouteille de vodka. Et ils ont dit, bon, d'accord, effectivement, on va revoir nos accords. Et donc, voilà. Et aujourd'hui, c'est ça qui fait peur. C'est qu'on a joué à la guerre est vraiment là, les gens sont à poil, on s'en rend compte, et on n'a plus d'autre choix que de se remettre à cette entité tutélaire qui l'était depuis le début, mais qu'on avait tenté de masquer plus ou moins bien. Oui, mais qui n'a aucune prérogative, comme dans la santé pendant la crise sanitaire, l'Union européenne n'avait aucune prérogative sur les politiques de santé nationale et elle n'a aucune prérogative sur la souveraineté, d'ailleurs, la capacité ou pas à rentrer en co-belligérance dans un conflit comme ça. Donc on se voit aussi que, mais il y a aussi la trahison, Rémi, il y a la trahison parce qu'Emmanuel Macron, il passe pas devant le Parlement. À aucun moment, il s'est présenté devant le Parlement en se disant, moi, les copains, qu'est-ce qu'on fait? On y va pas, on donne de l'argent, on donne pas de l'argent, parce que ça aussi, c'est un piétinement absolu de la souveraineté nationale et même de la façon de rendre compte au peuple français sur un sujet aussi grave que celui-ci. Et là, une nouvelle fois, je suis désolé, mais les médias, c'est, tu vois, c'est motus et bouscousu. Personne ne part de l'éventualité à un moment donné qu'un Macron un jour fasse un congrès devant tout le monde à Versailles et demande aux uns et aux autres qu'est-ce qu'on fait ou si on fait pas. Et il décide tout seul. Par contre, il était au marché de Rungis avec sa parka blanche, marché de Rungis, Emmanuel Macron, quoi. Voilà. Sauf que rien ne l'oblige à faire cela, à part enfin, si ce n'est la morale. Et quand on voit ce qu'il leur reste en termes de grammage de morale, bon courage pour espérer qu'il fasse ça un jour. C'est aussi ce qui est terrible, c'est que nous avons les larmes et le regret, eux, ils ont les textes, ils ont les lois. Ce qui permet, par exemple, au moment du pass sanitaire puis vaccinal, que le Conseil constitutionnel dise non, mais ça va, ça passe. Ah bon? Et c'est aussi ça qui est terrible, c'est que d'une part, ils ont les textes pour eux. On n'est pas dans une dictature fondamentalement. Ils sont dans la loi. Ils sont dans la loi. Et en plus, ils ont été réélus. Carton plein. Qu'est-ce que tu veux leur reprocher? À part la Mais morale, je suis d'accord avec toi. ça t'a vraiment, quand Macron a été réélu, toi, tu l'as vraiment très très mal pris. Bon, moi aussi, je te cache pas que je n'étais pas super super content quand même. Ah là, c'était le coup derrière la nuque. Là, c'était le coup de bambou parce que je m'étais dit, bon, que Macron passe, après tout, pourquoi pas. Mais quelqu'un d'autre en face, Mélenchon, quiconque, mais pas Marine Le Pen, parce que c'est une sorte de film qu'on a déjà vu. C'était Camping 2.
T'as compris qu'il va y avoir des tongs et des tentes, et au bout d'un moment, ben c'est oui. pour parler à la fin. Ben Et oui, c'était c'est ça ça. qui me faisait peur. Et je l'avais annoncé, c'est la seule fois, et j'espère la dernière, où vraiment je me mouille sur juste milieu en disant quelles sont mes intentions politiques, parce que je me garde de faire ça pour justement pas biaiser la promesse. Mais là, c'est Ouais. la première fois où j'ai dit je voterai pour n'importe qui face à Emmanuel Macron. Ouais. Et je trouvais que c'était Marine Le Pen, mais c'était désolant. Et on l'a Ouais. vu au débat de l'entre-deux tours. Le Ouais. mot McKinsey vient 4 fois, on parle même pas Ouais. du. Alors qu'Emmanuel Macron, dès le début du débat, rappelez-vous, dès le début du débat, il attaque Marine Le Pen sur quoi? Sur le fait qu'elle a ses financements en Russie. Et il vient de lui parler d'ingérence. D'ingérence. Donc effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Marine Le Pen aurait pu, à 2-3 secondes, parler du McKinsey Gates et de la vente d'Alstom et toute une série de sujets qui me semblaient extrêmement explosifs pour Emmanuel Macron. Et à un moment donné, il aurait fallu qu'il se justifie là-dessus. Mais tu l'as dit, Marine Le Pen, tu as raison. Ça fait 3 fois qu'elle va au débat de l'entre-deux tours. À chaque fois, il manque plus que derrière l'armoire avec les parapheurs où elle chercherait Europe, énergie, machin. Elle a toujours une pile de dossiers. Ah ben, sinon, Macron n'a jamais de dossier et lui, elle a toujours une pile de dossiers. On voit bien qu'elle bosse pas, Marine Le Pen. Enfin, je suis désolé de le dire. Enfin, je l'ai dit plein de fois, ça, mais Est-ce qu'elle a envie de elle connaît pas bosser? ses dossiers. Elle connaît pas ses dossiers. Elle les connaît Est-ce pas. qu'elle a envie de bosser? Moi, je Oui, trouve que déjà, elle en a pris plein la gueule sur le fait qu'elle n'avait pas le niveau. J'attends encore les nouvelles des associations féministes qui devraient nous expliquer qu'on s'en prend à une femme, c'est du Ouais. mansplaining, des choses comme ça. Mais qu'importe, Ouais. c'est pour la blague. Mais est-ce qu'elle a envie de bosser? Ouais. Elle savait que derrière les législatives, ça allait être une autoroute comme ils ne l'ont jamais eu. Résultat, 80 députés, ou peut-être 88, il y a peut-être eu une histoire d'un cas perdu, mais qu'importe. Bon, on l'a vu, le débat sur la réforme des retraites, c'était la famille Bélier. Les députés Ouais, d'abord, on ne les a pas entendus. Ils secouaient un petit peu les bras pour dire on est là. Mais la grosse proposition de loi qui ressort du groupe parlementaire RN depuis début 2023, c'est sur la galette des rois. Oui. Ils veulent encadrer dans la grande consommation les dates de vente de la galette des rois. Mais en attendant, c'est 7 000 balles par mois pour les députés et c'est une Ouais. somme d'argent considérable pour le parti. Parce qu'aux législatives, j'avais fait une petite vidéo à Oui. mon débat là-dessus et j'avais découvert ça en faisant la vidéo, enfin en lisant les journaux, j'avais découvert ça. On a des sommes d'argent colossales qui sont drainées par les partis au moment des législatives. C'est-à-dire que chaque année, ils touchent quelque chose, mais c'est énorme. C'est peut-être 15 ou 20 000 euros par député chaque année. Ce qui permet que le Parti socialiste, c'est-à-dire qui aujourd'hui enfin, représente 3 trottinettes électriques et 2 surmulots à Paris, d'exister, d'avoir du pognon. Non, mais c'est incroyable. Effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Le RN là-dessus, sur la réforme des retraites, ça a été dingue. Et Marine Le Pen, est-ce qu'elle n'a pas envie, je suis d'accord avec toi, est-ce que la réalité, c'est qu'est-ce qu'elle a envie de bosser? La réalité, c'est est-ce qu'elle a envie d'être au pouvoir, concrètement? Et finalement, est-ce qu'elle n'est pas plutôt dans une stratégie de gérer une petite TPE, une PME familiale, tranquillement jusqu'à la fin? Et puis, à la fin, à sa retraite, elle montrera un bar à chat à un moment. Alors, un bar à chat, et puis voilà, ça sera tout. Ouais, non, tu vois, pour autant, je pense qu'elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle mène sa barque. Elle est quand même issue d'une lignée, alors qu'on soit d'accord ou pas, une lignée Ouais. politique, voilà, qui est quand même marquante dans l'histoire de la politique française du 20e, enfin, la fin 20e, puis 21e. Elle a du pif. Je peux pas croire que, voilà, elle ait perdu ce qui faisait le talent de ses anciens et aussi les excès. Mais je peux pas croire ça. Donc, je pense qu'elle a compris que de toute façon, elle a dû abandonner tout ce qui faisait un petit peu le ciment de sa différence. Donc, l'abandon de l'euro, la sortie de l'UE. En termes de programme, bah, de toute façon, sur la réforme des retraites, ils ont été plutôt silencieux parce que bah, ils sont loin du compte. Ce qu'ils proposent, c'est à peu près n'importe quoi. Marine Le Pen, aujourd'hui, politiquement, c'est une Nadine Morano qui a mangé un peu trop épicé. La substance politique s'est complètement perdue. Et c'est pour ça que je rêve d'avoir des gens comme Georges Kouzmanovitch, comme Florent Philippot, comme François Asselineau, même jusqu'à Philippe Poutou, jusqu'à Nathalie Arthaud, mais des gens qui ont une colonne vertébrale politique, quel que soit le bord. Et j'ai mes idées, je voterai pour l'un ou pour l'autre, mais qui est une vraie colonne vertébrale. Aujourd'hui, c'est bonnet blanc ou blanc bonnet. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est assez rare de l'entendre et c'est quelque chose dont je me désespère souvent. C'est la capacité à un moment donné d'être souverainiste. Enfin, ça tombe sous le sens, mais aujourd'hui, ça le tombe moins sous le sens. D'être souverainiste, mais aussi avoir aussi cette fibre sociale importante. Tu dis, je pourrais voter Poutou ou Artaud ou des choses comme ça, mais finalement, c'est le gaullisme, c'est le souverainisme. Le gaullisme a toujours été social, de toute façon, c'est dans son essence même. Mais finalement, ça se perd, ça, parce que tu l'as dit avec Marine Le Pen et le RN, on en a bien parlé.
Les LR, bon, eux, c'est un quarteron de mondialistes qui ne s'assument plus. Et il y a Eric Ciotti en talonnette qui gère n'importe quoi, qui fait absolument n'importe quoi et qui est la botte de Macron et qui pèsera pas. Aujourd'hui, je pense qu'il pèse même pas 3% s'il se présentait aujourd'hui à la présidentielle. Mais finalement, ils ont perdu le côté populaire parce qu'ils sont dans les ils jappent derrière Emmanuel Macron, mais ils ne jappent finalement que derrière l'Union européenne qui est le cheval de Troie de la mondialisation. Donc, ils ont perdu tout le peuple, concrètement avec Sarko, mais on pourrait faire une mission là-dessus. Et finalement, Rémi, il y a finalement très peu cette frange-là de gens qui ont vraiment le côté social et très populaire aussi de la défense de l'individu, du citoyen français. Rappelle-toi ce que disait Jaurès, la nation est le dernier refuge du pauvre. Et ça, j'ai l'impression que ce courant politique, il n'existe pratiquement plus. Alors, il est pas du tout médiatisé, pas du tout. Je crois franchement que les courants existent, mais que les lignes ont été brouillées. C'est-à-dire qu'on a filé une carte routière aux gens où il n'y avait pas les routes nationales. Donc, tu te paumes. Il n'y a que les autoroutes. Donc, tu te dis, merde, je vais être obligé d'aller vite. Et le débat politique aujourd'hui, c'est ça. Ça ne date pas d'hier. C'est un grand travail médiatique pour brouiller les pistes. Aujourd'hui, le souverainisme serait de droite. La préférence nationale serait d'extrême droite. Alors que c'est dans le traité du Parti communiste que Marx et Engels écrivent que l'intérêt de l'ouvrier national primera toujours sur l'intérêt de l'ouvrier étranger. Bon, Marx me semble difficilement un suppôt de Mélanie ou je ne sais pas qui. Donc, on a des lignes qui ont été complètement brouillées. Et ce qui aujourd'hui, et c'est peut-être l'une des raisons d'être de Juste Milieu pour lesquelles je me bagarre, c'est voter pour qui vous voulez, mais je vous en supplie, ne vous en mettez pas plein la tronche parce que vous n'êtes pas d'accord politiquement, car vous ne le savez peut-être pas encore, mais vous êtes d'accord. C'est-à-dire qu'on a des lignes politiques où on s'oppose, où il y a des courants, il y a des choses comme ça, mais les personnages qui sont censés incarner ces lignes ne sont pas les bons. On a mis le casting de Louis La Brocante sur un Star Wars, et ça ne marche pas. Donc il faut accepter que le film ne soit pas le bon, mais que derrière tout ça, il y a des vraies idées. Oui, la France insoumise, et on me le reproche à juste titre, je tape beaucoup dessus parce qu'ils font beaucoup l'actu, mais je pense que certains personnages de la France insoumise, parmi les plus exposés médiatiquement, sont des guignols qui n'existent que pour le retweet. Mais en coulisses, dans l'arrière-cuisine, il y a des petites mains, il y a d'autres députés, il y a des gens convaincus, il y a des gens qui ont leur carte, et c'est à ces gens-là, c'est sur ces gens-là qu'il faut porter tout notre intérêt. Pour comprendre qu'il y a un vrai projet politique et que ce n'est pas juste une succession de tweets et de passages sur CNews qui incarnent la politique. Le RN, c'est pareil. Il n'y a pas que des anciens néo-nazis du GUD. Il y a aussi des convaincus. Et tous ces gens-là, d'une manière ou d'une autre, parlent aux Français. D'où qu'ils viennent, quels qu'ils soient, quelles que soient les idées. Et n'oublions pas ça. Après, on vote pour qui on veut. Mais on peut difficilement s'étonner d'avoir un ancien banquier d'affaires chez Rothschild, ministre de gauche, devenu président. Parce qu'on a accepté d'être brouillé. Donc, si on refuse le brouillage, on peut continuer à se bagarrer, il n'y a pas à être d'accord, mais soyons lucides. Non, mais c'est intéressant, d'ailleurs, à la France Insoumise, il y en a un qui est intéressant, d'ailleurs, qui s'est toujours démarqué, d'ailleurs, François Ruffin. François Ruffin, il a vraiment cette fille populaire. J'ai l'impression que François Ruffin, il est un peu, d'ailleurs, petite note au passage, François Ruffin, ça fait deux fois qu'il refuse de venir à mon émission. Je ne sais pas pourquoi, il ne veut pas venir à mon émission. Chaque fois, on me ferme la porte au nez. Peut-être qu'il est beaucoup plus rentable politiquement d'aller chez les mainstream, chez BFM et chez les autres. En tout cas, François Ruffin, tu es le bienvenu chez moi. Ça fait deux fois que tu m'envoies bouler. C'est bien dommage. En tout cas, l'invitation est toujours là, mais peut-être que BFM, c'est beaucoup plus rentable pour la petite et pour le retweet. C'est dommage, parce que j'aime bien François Ruffin pour le coup. Voilà, c'est comme ça. J'ai fini. Dernière, est-ce qu'il te reste encore 10 minutes, Rémi, pour finir sur un sujet? Autant de temps que tu veux. Ah ouais, ben super. On va rester encore 10 grosses minutes ensemble. Je suis en train d'exploser les compteurs de ma chaîne. Après, il y a la pub, il y a le journal avec Bruce Toussaint. Non, je rigole, je dis quoi. C'est pas ça. Non, je voulais qu'on parle d'un truc intéressant. La réforme des retraites, là, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement important. Moi, je pense que c'est une lutte sociale qui va conditionner l'avenir de notre pays. Et je pense que si on la laisse passer, ça sera la liquidation sociale totale avec le néolibéralisme échevelé par le cost-killer Macron. Finalement, est-ce que toi, tu penses concrètement que cette réforme des retraites, ça peut être, on en parle depuis plusieurs mois, mais est-ce que ça peut être vraiment la mèche qui fasse que ce pays explose socialement? D'ailleurs, je rappelle qu'il y avait un sondage pas si vieux que ça qui disait qu'il y a quand même une majorité de Français qui était pour une explosion sociale. C'est assez récent, ça. Un mot ou deux, ce sondage. C'est rare que je sois d'accord avec Emmanuel Macron, mais là, c'est le cas. Quand il dit que la réforme des retraites faisait partie de son programme et que son élection valait un blanc-seing pour cette réforme, je crois qu'il a raison. Je crois qu'il a raison. Ça n'est pas une surprise. Je veux dire, ce fameux plan de relance, hein, UI Next, il me semble, on parle de 200 ou 300 milliards d'euros injectés dans les économies nationales. Il n'y avait pas l'obligation. Beaucoup de médias, de débunkers,
Et... Attention, ce n'était pas une obligation, ce n'est pas l'UE qui oblige les pays à faire la C'est une réforme. recommandation selon Julien Voilà, Pain. absolument, Ouais. recommandation. Ouais. Donc, mais qu'importe, c'est qu'il Ouais. y a quand même cette volonté européenne à un moment donné que les politiques s'alignent. Et quand on voit certains médias qui, autour du débat de la réforme des retraites, disent, oui, mais regardez, bon, au Danemark, c'est 67 ans, ils ne se plaignent pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que le voisin bute son chien qu'on doit en faire pareil avec notre Oui. cocker. C'est ridicule. C'est ridicule. Et d'ailleurs, on l'a vu au moment du Covid. Quand ça les arrangeait, il fallait regarder du côté de l'Allemagne ou d'autres pays voisins qui avaient une politique qu'il fallait suivre. Par contre, quand le Danemark rejette l'utilisation du vaccin AstraZeneca dans les premiers temps, là, on disait non, non, mais vous savez, les Danois, c'est quand même pas pareil. Et pareil avec la Suède sur la politique de refus du confinement et compagnie. Donc, Oui. quand on commence à regarder ce que fait le voisin, généralement, moi, ça ne me rassure pas. Et avec la réforme des retraites, on est là-dessus. C'est une volonté européenne qui, de toute façon, passera. Et elle passera tellement bien, et ça, je m'échine à le dire dans les vidéos. Peut-être ceux qui suivent vont penser que je radote, mais ça me semble important. C'est ce fameux article de la Constitution, le 47-1. C'est-à-dire que le gouvernement a intégré la réforme des retraites dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Pourquoi ça? Ce n'est pas pour le plaisir d'économiser du papier. C'est simplement que cette disposition de la Constitution leur permet de raccourcir la fenêtre d'étude du projet de loi de financement sur 20 jours à l'Assemblée, puis ensuite ça fait 30 jours. Au total, ça fait 5 ans. Donc, dès le départ, on savait que les débats étaient biaisés, dès le départ. Et quand on voit les partis d'opposition qui multiplient les amendements, qui ralentissent les débats, qui posent des questions bêtes, qui font les guignols à l'Assemblée, tout ça profite au gouvernement. Ils étaient dans un fauteuil. Alors, ils ont envoyé leur ado boutonneux, Olivier Dussopt, entre deux grilles de mots croisés pour faire comme si le gouvernement se bataillait. Enfin, étaient en état de batailler, mais en fait, ils n'en avaient rien à cirer. Ils savaient de toute façon que ça passerait. Oui, ça se voyait d'ailleurs, hein. Ils ont attendu. Ils ont attendu. À la fin, ils Bien attendaient. sûr, bien sûr, Ça ils se n'en avaient termine. rien à cirer. Derrière, ça part au Sénat, majorité LR et LREM, à dégager voix 12, et ça passera. Et là, j'ai parié l'apéro là-dessus sur Twitch aux spectateurs. Les médias vont commencer à mettre le couvercle sur les reportages, sur la grogne qui monte dans les rues. Les manifs ne seront plus vraiment couvertes. Et les gens se diront, bah, merde, en fait, je suis tout seul dans mon canapé à penser que je suis en train de me faire avoir. Et les gens n'iront pas manifester. Donc cette explosion sociale, elle est aussi le fruit d'une exposition médiatique. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Si on ne montre pas aux gens qu'ils ne sont pas tout seuls, eh bien, ils vont vraiment croire qu'ils sont tout seuls. C'est terrible, mais c'est un biais psychologique qui est courant. Tout seul, on ne va pas manifester sur la place de la ville. Et si on filme, par contre, pour ça d'ailleurs, un petit peu long, promis, j'arrête Non, mais bientôt. je comprends son père, mais tu es là pour ça, tu es là pour ça. C'est pour ça que toutes les manifestations sont filmées à Paris. Vous voyez rarement des images de Toulouse, Montpellier, Bourg-la-Reine. Parce que sinon, les gens vont se dire, oh, mais oh, c'est marrant, c'est à 10 km de chez moi. Bon, allez, j'y vais. On montre Paris. Et le mec qui habite à Biarritz, bon, bah, la flemme, quoi. Et c'est pas un hasard. Je suis d'accord avec toi là-dessus, mais on se rend compte, alors moi, pour suivre le mouvement populaire depuis un certain temps, qui les connaît bien, j'ai quand même l'impression que du niveau des syndicats, on pourra en reparler, mais ça faudrait faire l'objet d'une émission entière, que les syndicats sont finalement les géos, comme on dit au Club Med, de l'organisation des manifs, parce qu'ils sont plus que ça, parce qu'ils sont pas capables de mettre aujourd'hui 2 ou 3 millions de personnes dans la rue, c'est plus possible. L'érosion de leurs membres est en train de se casser la gueule depuis bien des années. D'ailleurs, on l'a vu avec les Gilets jaunes, hein, les gilets jaunes nous ont excommunés des manifs, mais on se rend compte quand même qu'il y a une forme aujourd'hui, il y a beaucoup de fédérations qui vont, à mon avis, qui vont prendre le pas sur les secrétaires nationaux, notamment la CFDT, la CGT notamment, et qui risquent à un moment donné, la base finalement risque, tu vois, de submerger. Et j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, les appels de blocage pour le 7 mars sont très nombreux dans de nombreux secteurs et de nombreuses fédérations et sections locales qui pourraient à un moment donné, qui pourraient, je dis bien conditionnel, qui pourraient aussi peut-être faire venir des citoyens en colère qui pourraient se greffer aussi au blocage et avec une population aujourd'hui qui est favorable à l'instant, enfin en ce moment, à ces blocages. Donc peut-être que ça pourrait être assez inédit aussi, hein, comme manifestation. Peut-être. J'aimerais bien, mais j'aimerais beaucoup, mais il y a deux choses. Alors déjà, en préambule, je sépare bien sûr les grosses têtes qui représentent les syndicats des syndiqués sur le terrain qui envoient du et qui n'ont pas besoin d'être sur CNews pour bagarrer. Qu'on soit bien d'accord, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. En revanche, les gilets jaunes ont préfiguré déjà le fait que les syndicats étaient devenus une variable d'ajustement, mais ne représentaient plus le monde ouvrier.
malgré voilà, les avancées incroyables que nous ont permis les syndicats dans l'histoire de France depuis les années 30, et à qui il faut rendre hommage, et il ne faudra jamais cesser de leur rendre hommage, mais aujourd'hui, ceux qui représentent les syndicats ne sont pas faits du même bois, ce ne sont pas les mêmes. Ils sont contents de dire bah, « grâce à nous, il y a eu ça ». Non, les gars, grâce au syndicat, grâce à l'histoire de votre syndicat, mais pas grâce à vous. Parce que où étaient les syndicats au moment du pass vaccinal ? Oui, bien sûr. Et pour moi, à partir de là, ils ne sont plus crédibles. Les têtes qui représentent les syndicats, pas ceux qui se sont battus sur le terrain. À partir de moi, à partir de là, pardon, pour moi, ils ne sont plus crédibles. Donc, aujourd'hui, ils peuvent appeler à faire ce qu'on veut, faire machin, à faire bidule, mais je trouve qu'il y a quand même un arrière-goût pas très confortable d'appropriation des manifestations, ce que fait aussi la France insoumise, ce que font certains partis politiques et ce que font aussi les syndicats. Je me demande s'ils veulent être là pour regrouper les gens dans l'intérêt des citoyens français ou pour avoir leur sticker sur la fiche de la manif. Moi, j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, je partage entièrement ton avis, je l'ai dit plusieurs fois publiquement sur le pass vaccinal, sur la suspension des soignants suspendus, c'est un scandale absolu que les syndicats, même les têtes des syndicats, au moment donné, ils disent ça, là, ça suffit, mais non, c'est pas possible, c'est pas gérable, c'est vraiment l'indignation absolue, c'est la criminalisation absolue, c'était un scandale, mais finalement, aussi, il faut regarder sur les 20 dernières années ou 30 dernières années où ont terminé les grandes têtes syndicales, hein. Faut voir où ils ont été nommés, ces gens. Liga, c'est consort, hein. Faut voir où ils sont tous partis, hein. Donc finalement, ils ont un joli poste après derrière, dans une administration française où ils sont bien payés et où il y a 2-3 plénières par an, tu vois, concrètement, et une galette des rois, avec peut-être l'amendement ou la PPL du RN, d'ailleurs, pour la galette des rois, donc comme ça, ils pourront faire plus sur le temps, mais je suis d'accord avec toi. Et la question qui me vient maintenant, parce que c'est la question centrale, sur laquelle je voulais qu'on termine, cher Rémi, et merci beaucoup, Rémi, d'être là, merci, vous êtes très nombreux, plus de 2200 sur tous nos réseaux en ce moment en ligne, beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires, n'hésitez pas à nous dire d'où vous nous regardez, beaucoup aussi de commentaires, donc je vous vois, en tout cas, n'hésitez pas à nous soutenir, allez voir ce que fait Rémi, si vous ne connaissez pas encore Juste Milieu, filez dessus, allez voir son site, abonnez-vous à la revue, bien entendu, abonnez-vous à Pouch, faites des dons, aidez-nous en fait, tout simplement, aidez-nous, nous, chaîne indépendante, médias indépendants. Allez, on finit là-dessus finalement, Rémi, là on se rend compte, on a parlé du cirque à l'Assemblée nationale, on a parlé des députés bourrés qui vomissaient devant les huissiers, donc certains ont dit que ce n'était pas vrai, mais bon, j'ose penser qu'il y avait quand même une part de vérité là-dedans. Finalement, il nous reste quoi pour la démocratie? Qu'est-ce qui nous reste du jeu constitutionnel? Qu'est-ce qui nous reste comme un levier de contre-pouvoir si Olivier Dussopt se permet de dire au banc qu'il n'a pas à donner les sources de ces chiffres, qu'il fait appel à qui il veut pour faire ses prévisions? Alors, il fait ses prévisions, s'il les fait sur des grilles de mots croisés, on comprend que c'est le bordel. Mais finalement, ces gens n'ont plus à rendre de compte à rien. Ils font passer du 47-1, et peut-être un 152-B pour la prochaine. Et après, ça sera le gros 12 à plomb, hein, bien entendu, avec le C15. Finalement, qu'est-ce qui reste aux gens, franchement, aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste à part une explosion sociale? Quelle est l'alternative? Absolument. Il reste déjà, et ça me semble important, il reste la possibilité de se poser la question. C'est qu'il n'est pas encore trop tard parce que cette question peut être posée. On est là maintenant, tout de suite, en direct, sur des plateformes, on est diffusé, on a des milliers de gens formidables qui nous regardent nous poser la question. Donc déjà, il y a encore cet espoir-là qui continue à briller dans la nuit, on va dire. Ensuite, comme on l'a dit plusieurs fois, je passe rapidement dessus, on ne peut pas nier que ces gens-là ont été élus. Donc, oui, ils profitent d'une impunité incroyable. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait une nouvelle affaire qui touche des membres du gouvernement. On rappelle qu'on a le secrétaire général de l'Élysée qui est mis en examen, le ministre de la Justice. On a Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Ça, j'aime bien le rappeler parce qu'il a été blanchi sur des accusations de viol. Mais par contre, ce qui a été avéré par lui-même et ses avocats, c'est qu'en tant que maire de Tourcoing, il avait profité de sa position pour obtenir des faveurs sexuelles en vue de l'obtention d'un logement social. Pas pour lui, pour la dame qui a fait les faveurs sexuelles. Et ça, il l'a reconnu. Donc, blanchi pour viol, c'est une chose, mais il n'est pas blanchi tout court. Rappelons quand même l'état moral de ce monsieur. Donc, effectivement, les choses s'accumulent et on a envie de baisser les bras. On a envie de tirer la gueule et de pas garder la banane parce qu'il n'y a pas de quoi. Franchement, il n'y a pas de quoi. Maintenant, oui, l'explosion sociale a été préfigurée avec les gilets jaunes, c'est possible. Et j'appelle bien évidemment pas une révolution, mais bien sûr, et ce qui a été le cas, je veux dire, c'était des cas isolés qui ont permis de décrédibiliser les mouvements gilets jaunes, mais un mouvement citoyen, serein, engagé, volontaire, mais pas dangereux, est possible. Et c'est ce qui s'est passé en très grande majorité. Et il y a juste une digue à faire sauter, c'est que les gens comprennent qu'à la fois, ils ne sont pas seuls et qu'ils ne sont pas opposés. Que vous votiez Mélenchon ou Le Pen, vous n'êtes pas des ennemis. Que vous soyez vacciné ou non vacciné, vous n'êtes pas des ennemis. Le tour de magie maléfique que fait ce gouvernement, c'est le vieil adage.
diviser pour mieux régner. Et ça marche, et ça marche. On l'a vu dans des familles, on l'a vu dans des couples, on l'a vu dans des groupes d'amis, des gens qui s'engueulaient pour un statut vaccinal. Parce que, et à juste titre, ils répétaient ce qu'on leur serinait avec violence, avec une propagande terrible, ce qu'on leur serinait dans les médias, à la radio, dans les journaux. Et donc, ils se sont, les groupes citoyens, que ce soit des couples, d'amis, de familles, de ce que vous voulez, se sont fissurés. Parce que les gens ont commencé à se dire, on est opposés finalement. On est opposés. Il faut se rendre compte, mais sur le plan presque anthropologique, c'est sidérant. Il y a des couples qui se sont séparés à cause de ça, des groupes d'amis. Des gens qui ont été virés de leur boulot. Donc, si on arrive à faire sauter cette digue, à accepter au moins quelque temps que celui qui ne vote pas comme nous n'est pas un salaud, que celui qui n'est pas d'accord n'est pas un salaud, que celui qui a les cheveux bleus ou qui vote Marine Le Pen n'est pas un salaud, et qu'on peut tous manifester au moins quelques heures dans le même sens et faire trembler ce gouvernement qui ne craint que cela, parce que les lois sont de son côté, les lois sont dans sa poche. Donc il faut qu'on ait cette exigence-là vis-à-vis de nous-mêmes, d'accepter la possibilité d'être côte à côte avec des gens avec qui on pensait être face à face. Et c'est une bonne phrase que j'aime bien, pour paraphraser un petit peu Nietzsche, j'ai fait mon petit intello à trois sous. La morale, c'est l'exigence envers soi. La moraline, c'est l'exigence envers les autres. Alors arrêtons d'être exigeants envers les autres, de vouloir que nos gouvernants se découvrent une morale, que les gens qui ne votent pas comme nous en viennent à voter comme nous pour qu'on devienne des copains. Soyons exigeants envers nous-mêmes, acceptons quelque temps ce moment-là d'unité, et il peut se passer quelque chose, je l'espère profondément. Voilà. Mais merci beaucoup. En tout cas, dernière observation, et après on laissera l'antenne. En tout cas, merci beaucoup, Rémi, d'être là. 1h15 d'entretien. Merci beaucoup. Vous êtes très nombreux. Plus de 2200 pour ceux qui sont, et celles et ceux qui sont en direct, et pour celles et ceux qui regarderont la vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces, à partager et à commenter massivement, et à partager aussi si vous faites des petits teasers vidéo. Finalement, la différence, pour finir là-dessus, c'est que la différence de 2018. C'est que là, les gens, il y a des millions de gens qui crèvent la dalle. Leur rapport, la Fondation Abbé Pierre, notait il y a une dizaine de jours que c'est 12 millions de gens en précarité économique en France, et ce qui représente aussi les impayés de loyers, les impayés de crédit, des gens qui ne peuvent plus bouffer, sans oublier que le 1er mars, c'est-à-dire dans une semaine, il y aura les négociations entre distributeurs multinationaux, supermarchés et multinationales, pour faire simple, va porter certains produits alimentaires à 10, 15, 20 ou 30% supplémentaires à ajouter, chers amis, à ajouter à l'inflation qui est déjà dans vos rayons, qui est déjà dans vos rayons. Très sincèrement, ils la cherchent vraiment. Ils la cherchent. C'est-à-dire, à ce moment-là, ils cherchent des emmerdes. Je suis désolé, mais la situation, tous les voyants sont au rouge aujourd'hui dans ce pays. Plus que les gilets jaunes en 18, hein. Bien sûr, absolument. C'est pour ça aussi qu'il y a un point à corriger. J'ai fait mon grand discours. Je me suis pris pour le général de Gaulle du bon coin. Mais il faut quand même rappeler que c'est facile à dire pour moi, le cul sur ma chaise, tout confort, je rentre chez moi au chaud. Les gens qui n'ont plus grand-chose, c'est voilà. Mon discours est sympa quand on est confort. Par contre, quand on n'est pas confort, et on commence à avoir envie de lancer 3-4 pavés, parce qu'il nous reste plus. Et je suis d'accord avec toi sur toute la ligne, c'est que les gilets jaunes, on était déjà pas loin de la ligne rouge. Là, le gouvernement, si ce mouvement citoyen a lieu, devra faire face à des gens qui n'ont plus rien à perdre. Et là, c'est plus la même mayonnaise. Ouais. Et c'est franchement, c'est pas souhaitable pour personne. Ne vous méprenez pas dans mes propos. Ce n'est pas souhaitable pour personne. La question que nous posons et que nous avons le droit de poser légitimement, c'est qu'est-ce que cherche ce gouvernement dans la situation aujourd'hui? Quand Emmanuel Macron vient aujourd'hui à Rungis, à Rungis, à 5h du matin, avec Olivia Bicoz-Lacryse, vous savez, Olivia Bicoz-Lacryse, avec les cheveux comme as, et qui se demande qu'est-ce que je fous là, bordel, à 5h du matin à Rungis. Bon, et il vient de parler de la valeur travail, quoi. Mais je ne sais pas à quel moment, à quel point ils sont déconnectés et à quel point il y a une volonté aussi, parce qu'il faut quand même se dire qu'il y a quelques temps de ça, au début de la réforme des retraites, quand ça a commencé à accrocher, Elisabeth Borne avait dans l'idée aussi, le gouvernement avait l'idée de se dire qu'il n'y aurait pas de mouvement social, pas de grève et de blocage. Pourquoi? Parce que les gens étaient trop pauvres pour faire la grève, même un jour par semaine. Donc, le fait de leur pauvreté, de leur précarité, ils n'auraient plus les moyens de faire grève ou de manifester paisiblement. Fait, on en est là avec ces gens, quoi. On en est là quand même. C'est le cynisme, mais c'est le cynisme à l'état pur, hein. S'il y avait une définition du cynisme, ça serait cynisme égal macronisme. Bien sûr, et puis on a un rapprochement des situations, c'est aussi ça qui malheureusement va devoir être accepté un jour, c'est que ça fait des décennies qu'on regarde d'autres coins de notre globe
en disant ah, pff, des grèves de la faim, ah, des révolutions, ah, des coups d'État, ah, des mouvements populaires. Et on regarde ça avec un côté, c'est loin quasiment de la science-fiction. Oui. Sauf que là, les grèves de la faim, on va les avoir en France, on y va tout droit. On a encore aujourd'hui, paix à son âme, un crime terrible, je dis bien crime, parce que pour le ministre de l'Éducation, Papendia, c'est un incident. Cette professeure dans le Pays Basque a été assassinée. Je parlerai même d'attentat, parce que un attentat, c'est attenter à la santé de quelqu'un. Il n'y a pas besoin de revendication religieuse pour que ce soit un attentat, en tout cas d'après le dictionnaire. Donc, on a eu un crime terrible d'une dame qui avait eu le malheur de faire son métier de prof d'espagnol. Et le ministre, tout de suite, dans la foulée, qui décrète une minute de silence et qui parle d'un incident. Il faut aussi se rendre compte de ça. On est dans une situation qu'on appelait... qu'on pouvait voir en Amérique latine, fut un temps, peut-être même en Afrique, sur la tenue du pouvoir, l'entre-soi du pouvoir et l'impunité des gens qui dirigent. On appelait ça avec sympathie des républiques bananières, comme ça a pu naître. Ou des jeunes. Des jeunes, absolument. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Qu'en est-il aujourd'hui? Et donc, pour moi, la digue ultime, et j'en appelle vraiment à nos amis militaires, nos amis policiers, nos amis gendarmes, la digue, elle est là. Et on ne peut pas les blâmer, ils sont déjà blâmés beaucoup de choses, et avec aussi les problèmes de violence policière qu'il y a, et c'est une situation complexe, et là encore, sur laquelle on ne doit pas, à mon avis, catégoriser et dire les méchants contre les gentils, ou l'inverse. Mais la digue, elle est là. Demain, les membres de nos forces de l'ordre disent « Ok, on se fait rincer de pognon, il y a quand même des primes, il y a des choses comme ça qui permettent de tenir. » Mais si demain, eux disent « Bon, ben, on va peut-être moins porter les boucliers, au bout d'un moment, c'est plus possible. » On a vu aujourd'hui en France des CRS taper sur des pompiers. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Donc, vraiment, D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé en 1848 dans les rues de Paris, et la garde nationale qui a baissé les armes et qui s'est mis à chanter avec les manifestants, les Parisiens qui étaient dans la rue en 1848. Absolument. Hein. C'est absolument. Comme ça que le pouvoir est, la monarchie perd. Hein. C'est comme ça, hein, avec à un moment donné, les forces de l'ordre, les gardes nationales qui se retournent, une partie de la garde qui se retourne. Absolument, tout à fait. Et ça viendra de là, tout en maintenant l'ordre. J'en appelle pas à une insurrection pour décapiter qui que ce soit, qu'on soit bien d'accord. Hein. Mais tout en maintenant l'ordre, on peut avoir des policiers, des gendarmes qui disent maintenant, non, allez voir les lieux de pouvoir, allez dans les lieux de pouvoir. De toute façon, les lieux de pouvoir seront vidés si jamais une manifestation un jour doit déborder. On le sait, ça avait failli arriver. C'était Le Point qui avait fait un papier là-dessus qui expliquait qu'un grand jour de mobilisation des Gilets jaunes, en fait, les forces de l'ordre étaient en sous-nombre et que si ça avait forcé, ça aurait craqué. Il y avait une rue, effectivement, une rue qui menait directement vers l'Élysée. Et il y avait 4 ou 5 CRS dans la rue. Si les gens s'étaient rendus compte, l'Élysée aurait été envahie. Oui, j'avais lu ce très bon papier. Moi, je n'avais pas conscience que j'avais fait les manifs, mais je n'avais pas vu ça, en fait. Effectivement. Tout à fait. Donc, je pense que sans appeler à la sécession, appeler à des choses gravissimes qui pourraient... Non, il faut... On a aujourd'hui moyen de secouer ce cocotier-là parce qu'il faut le sauver, parce que c'est notre pays, qu'on le partage pour des raisons différentes, comme je disais tout à l'heure, qu'on soit d'accord ou pas, mais il commence à y avoir urgence. Parce que ces gens-là, dans le même temps, font ce qu'ils font, on le sait, sur le contexte national, et demain pourront emmener nos frères, nos pères, nos sœurs, qui on veut, à la guerre. Il y a urgence. Il y a urgence. Ouais, effectivement, on peut au moins se poser la question, puisque on a posé la question de savoir si la démocratie aujourd'hui suffit à nous sauver de la liquidation sociale de ce pays. Et puis surtout, quand on voit Emmanuel Macron qui a commandé 90 blindés Centaure qui ont été livrés ou qui sont sur le point d'être livrés en totalité, et 18 millions d'arsenal, c'est-à-dire grenades lacrymogènes, GLFI-4 et consorts, on comprend bien qu'à un moment donné, le pouvoir sait bien que, à un moment donné, ça va, comme disent nos amis québécois, ça va crisser des molaires. Donc, au moins pouvoir se poser la question et de réfléchir à tout ça, est-ce que la démocratie, avec le 47-1, le 49-3, c'est le dixième, à un moment donné, bon, à passer en force, il faut relire l'histoire. Et je continue à penser qu'on ne gouverne jamais impunément contre son peuple. Mais ça, il faut avoir lu les livres d'histoire. C'est bien parce que certains de nos gouvernants ont des épouses profs, donc ça devrait pouvoir peut-être fluidifier les choses. De théâtre. Voilà. De théâtre. De théâtre. En tout cas, merci beaucoup, Rémi. On arrive à plus d'1h25 d'interview. Merci beaucoup, Rémi, de m'avoir accordé ce temps. On a passé un très, très bon moment ensemble. En tout cas, vous étiez très, très, très nombreux ce soir
à regarder. Donc, allez voir, bien entendu, ce que fait Rémi juste milieu, même si vous le connaissez pour la plupart. Allez, continuez à aller voir, suivez, abonnez-vous à la revue, bien entendu. Allez fouiller, abonnez-vous à Pouch, faites-nous des dons, faites-nous dons, achetez des t-shirts. Vous en avez sur Pouch en bas de la vidéo. Vous en avez aussi chez Rémi, il y a pas mal de trucs super sympas. Je vais être jaloux de la ligne de goodies de Rémi par rapport à Pouch. Non, voilà. Donc, on essaye, nous tous, dans nos coins, dans nos lignes d'eau, d'essayer de vivre et de pouvoir continuer à produire des émissions discordantes qui nous paraissent intéressantes. Merci Rémi, en tout cas, d'être venu me voir. Merci beaucoup, cher ami, avec grand plaisir. Grand plaisir. Ah, mais on se refera ça très bientôt, on se refera une grande discussion, mais on va se revoir, on discute entre tous. Voilà, je sais que ça revient beaucoup dans les commentaires, mais on dit, sachez qu'on discute tous entre nous. Voilà, merci beaucoup, mon cher Rémi, je te souhaite une excellente soirée et à très vite. Et on se voit bientôt sur ta prochaine vidéo. Voilà, elle est prévue quand ta prochaine vidéo? Demain, après-demain? On a eu la farce tranquille là, à 18h au moment où on a commencé. Puis normalement, peut-être d'ici vendredi. Mais là, ce week-end, ça déconne pas. Je vais voir France-Écosse au rugby. Donc là, c'est quasiment les vacances. Pendant 3 jours, c'est juste au milieu, c'est quick, la France-Écosse. Donc autant vous dire. Il y a des priorités dans la vie. Tu as bien raison. Mon cher ami, je te souhaite une excellente soirée. Nous tous, on se revoit vendredi soir. Grand entretien de Pierre Vermerin. Vous allez voir, c'est passionnant sur le rôle de nos élites. Vous allez voir, Pierre Vermerin, il n'est pas ultra mainstream, mais c'est un grand intellectuel qui me fait le plaisir aussi de venir vendredi soir à 18h dans le grand entretien. Vous allez voir, c'est passionnant. Allez, on se quitte. On se dit bonne soirée, bonne journée pour celles et ceux qui regardent la vidéo à une autre horaire. Et à très bientôt. Bye bye, Villa Démocratie. Salut, ciao. À bientôt.